Aïe Bobo, aïe Bobo, aïe Bobo, bienvenue sur Minocan pour un nouveau numéro de l'émission Minocan avec moi, Mambo Rosemi Paradis. Aïe Bobo! Aïe Bobo! Minocan, Minocan! Minocan, Minocan, eh. Y'en va yo tous les saints, et y'en va yo tous les morts, aussi, ou c'est Gwelo. Nous entraînons en foi, nous go, nous go. Nous entraînons sous baguia, nous go, nous go. Y'en va yo tous les saints, et y'en va yo tous les morts, aussi, ou c'est Gwelo. Voilà, j'ai chanté pour vous un petit peu le générique de Minocan. Et je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette nouvelle émission. On va traiter d'un nouveau sujet avec de nouveaux invités. Ce soir, j'en ai deux. Et pour votre grand plaisir et que tout le monde puisse apprendre et qu'on puisse partager encore des nouvelles choses autour de la spiritualité ancestrale, autour du vaudou. Avant de commencer, je souhaite remercier Estella Jewelry pour les bijoux. Aujourd'hui, c'est pas elle qui m'a passé la tenue, mais les bijoux sont d'elle. Et vous pouvez la joindre au numéro qui va s'afficher en bas de l'écran. Donc, c'est le 07 53 67 51 97. Elle sublime les hommes, les femmes avec des bijoux ethniques pour le plaisir de tous. Donc, gros bisous à Estella Jewelry et merci encore pour les bijoux. Avant de commencer l'émission, je souhaite faire un petit point très important. Vous savez que pour l'instant, on n'a pas encore mis en place notre nouveau format pour Minocan, c'est-à-dire que l'émission est enregistrée. Donc, quand vous voyez qu'elle est diffusée en live Facebook, par exemple, ou sur la chaîne H-Live, quand vous commentez, nous ne sommes pas sur le plateau. Elle est enregistrée, puis est diffusée par la suite. Donc, c'est vrai que des fois, il m'arrive, hein, si je prends le temps de lire les commentaires, je ne peux pas répondre pendant l'émission. Donc, j'essaye de faire un point après avoir eu certains retours de certaines personnes qui m'écrivent et qui me donnent un petit peu leur avis concernant l'émission ou la manière dont l'émission se déroule. Alors, donc c'est pour ça que je réponds pas à tout, ok? Mais j'essaye de synthétiser les choses. Je ne suis pas une journaliste. Je suis une Mambo Asogwe. Je suis une vaudouisante. Après la proposition de H-Live, que je remercie et que je salue par la même occasion, de m'avoir proposé de faire une émission autour du vaudou, je l'ai accepté. J'ai accepté pour une seule raison. J'ai accepté d'animer Minocan afin de présenter aux afrodescendants, à nos frères africains, à tous ceux qui se recherchent, une vitrine. Minocan est une vitrine. Minocan n'est pas un espace de débat. Minocan n'est pas une salle de conférence. C'est une vitrine. Quand vous passez devant la vitrine d'un magasin, vous voyez le mannequin, il est de face. Vous ne pouvez pas dire à la vendeuse, tournez le mannequin que je regarde de derrière. Si tu veux voir le derrière, tu entres dans le magasin pour voir la tenue. C'est la même chose avec Minocan. J'ai des invités. Je sais que la plupart de ces invités, voire tous les invités, pour ne pas faire de jaloux, sont très intéressants. Et je sais que certains parmi vous, la plupart d'entre vous, vous avez soif d'écouter ce qu'ils ont à dire. Mais on n'est pas en salle de conférence. Je ne suis pas une journaliste pour dire « je pose une question » et l'invité va développer, épiloguer pendant 15-20 minutes. Ce n'est pas possible. Quand j'invite quelqu'un à Minocan, je l'invite pour avoir un échange. Je suis là, j'ai un sujet qui est préparé à l'avance et j'échange avec lui.
En tant que mambo, en tant que vaudouisante, je sais où je veux aller et je sais où l'invité doit aller. Donc, il est important d'apporter aux téléspectateurs également le maximum d'informations pour son édification. Certains parmi vous peuvent trouver des fois que l'invité ne parle pas assez. J'ose espérer que les invités qui sont passés à Minocan, lorsqu'ils feront leurs conférences ou leurs événements, que vous y participerez. Parce que Minocan, c'est comme si je vous dis, c'est un échantillon. Donc, dernièrement, l'invité qui a eu un grand audimat et que je salue, c'était le professeur Pierre Nélon. Beaucoup d'entre vous ont extrêmement apprécié son passage à l'émission. Eh bien, Pierre Nélon a mis en place une classe virtuelle, une classe Kamit. Eh bien, j'espère pour vous que vous vous inscrirez à sa classe. Si Pierre Nélon fait des conférences, j'espère parmi vous que vous irez à ses conférences. Ce n'est pas pendant Minocan qu'on veut tout entendre de Pierre Nélon. Ce n'est pas possible. Minocan, c'est une vitrine. Je vous présente tout ce que nous avons dans la spiritualité ancestrale vaudou, dans la spiritualité ancestrale africaine. C'est très important. Et c'est important, quand on est à Minocan et qu'on entend des avis, qu'on puisse prendre de la hauteur. Je ne suis pas là pour débattre avec un invité. Je suis là pour que l'invité puisse exposer son opinion, sa vision, sa pratique de la spiritualité. Je peux donner mon avis afin d'éclairer les téléspectateurs, mais je ne suis pas là pour écouter l'invité parler pendant une heure et demie d'émission. Aïe Bobo, merci. On passe tout de suite au thème. Aïe Bobo. Aïe Bobo, on revient tout de suite avec le thème de ce soir. Alors, je ne sais même plus si on a quel numéro d'émission, je crois qu'on est à la cinquième ou à la sixième, je ne sais plus. En tout cas, pour ce nouveau numéro, c'est une émission parcours. Donc, vous verrez, de temps en temps, il y aura des émissions parcours où je reçois des invités qui ne sont pas forcément conférenciers, ni professeurs, ni Ougan, ni Mambo. Ce sont des invités, on va dire, des personnes lambda qui viennent partager leur parcours avec vous. Vous, téléspectateurs, vous qui vous recherchez, vous qui vous posez des questions. Alors, ce soir, c'est une émission parcours. Alors, le parcours de ces personnes, elles ont le même parcours, mais avec des chemins différents. Donc, le parcours de ce soir, c'est « J'ai quitté l'église pour le vaudou ». À travers cette émission, je vais converser avec nos invités et un petit peu leur tirer les vers du nez pour qu'ils puissent vous expliquer un petit peu leur parcours, comment ça s'est passé le réveil, comment s'est passé le réveil, s'ils ont été secoués, s'ils ont été réveillés par une douce brise ou si seulement ils ont été giflés tout simplement, ou ils ont cauchemardé, ils ont cru que c'était un cauchemar et en fait, bon, c'était bien réel. Voilà, donc on va commencer tout de suite, hein, on va pas perdre de temps. Vous savez, la tradition dans Minocan, je ne présente pas les invités, c'est eux qui se présentent eux-mêmes. Aïe Bobo, Aïe Bobo, Aïe Bobo, on commence honneur aux dames. Aïe Bobo. Aïe Bobo. Bonjour, hein. Bonjour Osmi, bonjour les téléspectateurs. Je m'appelle Natacha Félix, je suis née en Haïti, j'ai quitté Haïti à l'âge de 7-8 ans pour la Guyane, arrivée en France en 99. J'ai un petit garçon, j'ai mon conjoint et je suis éducatrice. Entrepreneuse. Aïe voilà. Bobo, bienvenue à Minocan Natacha. Tu peux te détendre, on est en famille, je suis gentille, hein, donc je vais un petit peu t'embêter ce soir, je te préviens tout de suite, mais je suis gentille. Donc Aïe Bobo, donc, d'accord, très bien. Ensuite, deuxième invité, Aïe Bobo. Aïe Bobo, Aïe Bobo. Alors moi c'est Joaquin Baguidi. Donc moi j'ai 43 ans, divorcé. Deux enfants, et je travaille dans la région parisienne, dans les transports parisiens. Voilà. Oh, d'accord. Les origines? Ah oui, pardon. Alors, je suis originaire d'Haïti, je suis né en Haïti, je suis venu à l'âge de 3 ans en France, et j'ai mis les pieds qu'une seule fois en Haïti, il me semble, quand j'avais mes 16 ou 17 ans. D'accord. Et depuis, je n'y suis jamais retourné. D'accord, très bien. Donc, ce soir, on a deux personnes qui sont nées. En Haïti, arrivés à leur tendre enfance ici en France. Tous les deux, vous avez des enfants, donc vous êtes très bien intégrés, vous travaillez ici en France. Donc ce soir, on va parler de votre parcours, parce que vous avez sensiblement le même parcours, avec bien sûr des petites choses qui diffèrent. Donc on va parler de tout ça. Donc on va reprendre avec Natacha. Natacha, parle-nous un petit peu de ton enfance, de l'éducation, on va dire, religieuse de ton enfance.
Alors, mon enfance, à l'âge de 7-8 ans, lorsque j'ai quitté Haïti, je vivais avec mon père. Ma mère était partie pour la Guyane, donc j'ai vécu avec mon père qui est Ougan, dans la ville de Fond-des-Nègres. D'accord. Donc j'ai baigné dedans. Dans le vaudou, en fait. Dans le vaudou, oui. Et après, direction la Guyane, et arrivé en Guyane, la religion de ma mère, elle était vaudouisante, mais pas pratiquante. Donc, mon père en Guyane, on ne pratique pas la religion, personne ne parlait de la religion. Donc, c'est moi qui ai partie à la recherche à l'âge de, je crois que j'avais 12 ans. À l'âge de 12 ans, j'ai demandé à ma mère de m'inscrire au catéchisme. Donc, elle ne comprenait pas pourquoi. Elle m'a posé la question pourquoi je voulais m'inscrire au catéchisme. Mais elle était déjà chrétienne, ta mère? Non. Elle n'allait pas à l'église. Elle pratiquait le vaudou en Guyane? Elle ne pratiquait pas, mais elle était vaudouisante. D'accord, ok, ouais, très bien. Ouais, pour moi, vaudouisant, c'est quelqu'un qui ne va pas à l'église, mais elle avait quand même les bases, les notions. Elle avait des réflexes vaudous, en fait. Exactement. Elle allumait des baleines de temps en temps, faisait des petites choses à la maison de temps en temps. Non, mais lorsqu'elle était malade, ou c'était, moi je me souviens des les médicaments ancestraux, les feuilles. Donc aujourd'hui, je sais que c'est du vaudou parce que être vaudouisant, c'est pour moi, c'est pas allumer les baleines. Oui, c'est un mode de vie. Les sacrifices. Mais elle n'allait pas à l'église. Et je sais que la rencontre avec mon père, donc pour moi, dans ma petite tête de petite fille, automatiquement, ma mère était vaudouisante. D'accord. Donc, mais du coup, à 12 ans, tu disais que tu... Donc, à 12 ans, j'ai demandé à ma mère, 12-13 ans, ouais, j'ai demandé à ma mère de m'inscrire au catéchisme. Elle m'a posé la question pourquoi, et je lui ai répondu parce que je veux connaître Dieu. Donc, je suis partie tous les mercredis au catéchisme. C'était à Rémire-Montjoly. Et je me suis rendu compte que assise avec les autres enfants et écouter la dame qui me parlait de Jésus, de Dieu, de Marie, Joseph, ça ne m'intéressait pas. C'est pas ce que je cherchais. Je cherchais Dieu, mais sans savoir vraiment ce que je cherchais. Je cherchais. Donc du coup, j'ai arrêté. Et je lui dis que non, ça m'intéresse pas. C'est pas ça que je veux. Je ne trouve pas Dieu dedans là tous les mercredis. Donc après, ma mère, elle est partie, elle est arrivée en France en 94, elle m'a laissée en Guyane avec mon oncle. Et à partir de là, ben, j'ai continué à chercher, je suis rentrée chez les Témoins de Jéhovah. D'accord. Et donc du coup, moi, j'ai vraiment aimé les Témoins de Jéhovah parce qu'ils m'ont promis que après la mort, j'allais jouer avec les lions, me baigner avec les baleines, les dauphins, le paradis, ouais, avec les photos, les fleurs. Mmh. Donc pour moi, c'est bon, je suis témoin de Jéhovah dans tous les soirs, la salle du royaume, avec ma longue jupe, ma robe. C'était voilà. Donc je suis restée témoin de Jéhovah jusqu'à l'âge de 17 ans. D'accord. Et à savoir que dans la famille, personne n'était né dans la religion. Il n'y avait personne dans la religion, personne témoin de Jéhovah, personne catholique. C'est... Moi, je cherchais à savoir qui est Dieu. Donc, j'ai trouvé mes réponses chez les Témoins de Jéhovah. Et au moment de me faire baptiser, ils m'ont posé une question qui m'a un peu perturbée. C'était au sujet du sang. Donc, ils m'ont dit, est-ce que tu sais que là, tu vas te faire baptiser? Est-ce que tu as bien compris que si tu as un proche de toi, tu as un enfant plus tard, oui, qui a un problème, qui a un accident, qu'il va falloir lui donner ton sang, tu ne pourras pas le donner parce que ce sera la volonté de Dieu. Et lorsque Dieu décide quelque chose, tu n'interviens pas. Là, blocage automatique. Donc, et c'est comme ça que j'ai quitté les Témoins de Jéhovah. Donc, juste pour cette question, tu as tout arrêté? Ouais. Ah ben, j'ai arrêté parce que du coup, on est venu en France. Je pense que si j'étais restée en Guyane, peut-être que la personne qui me suivait aurait pu avoir le temps de discuter avec moi, d'échanger, de me convaincre. Mais après, on est parti peu de temps après. Après cette question, on est parti pour la Guyane. On est arrivé en France. D'accord. Et arrivé en France, la vie en France, ça va pareil qu'en Guyane. Donc, les gens, ils se font chacun chez eux. Mais tu avais eu le temps de prendre le baptême quand même en non, Guyane non, donc, non. Du coup, tu n'as même pas pris le baptême. J'ai même pas pris. C'est sur le point de prendre le baptême. D'accord. Et comme ma mère était en France, ils l'ont appelée en disant, écoute, viens récupérer ta fille, elle fait partie des sectes. Ok, d'accord. Ok, on verra la suite après. Voilà. Ok, ensuite, aïe bobo. Donc Joaquin, fais-nous un petit peu le récit de ton éducation religieuse, comment tu as grandi dans le christianisme, comment ça se passait à l'église, comment tu as grandi dans l'église. Alors moi, je suis l'aîné de 5 enfants, d'une fratrie de 5 enfants, et ma mère nous a éduqués toute seule, 5 enfants toute seule, on va dire avec des pratiques religieuses, la crainte du Seigneur,
qu'il fallait aller à l'église régulièrement, tous les dimanches, ainsi que dans la semaine lorsqu'il y avait des réunions de prière. Et donc du coup, bon, ma mère, c'était, enfin, quand j'étais plus jeune, on a commencé d'abord à aller dans les églises Corps de Christ, dans la communauté haïtienne, qui était un peu très roots. Quand je dis très roots, c'est un peu style mormon et tout. Et ma mère, c'était un peu la rebelle de tout ce mouvement Corps de Christ, parce qu'elle a été bijoux, maquillage, pantalon. D'accord. Et qui fait qu'après, ben, elle a préféré quitter le Corps de Christ pour aller dans le mouvement évangélique. Et de là, les premières églises évangéliques dans lesquelles j'ai allé, c'était les églises africaines. Et donc, et là, j'ai été mélangé avec Afrique, que ce soit Cameroun, Congo, Centrafrique, les Antilles aussi, Caraïbes. Et donc, du coup, j'ai grandi, on va dire, dans cette atmosphère de communauté noire. D'accord. Voilà. Et comment tu te sentais ? Donc là, c'est vrai que tu as parlé un petit peu de processus, oui. Mais comment ça se passait, toi, quand tu étais enfant, ton adolescence par rapport au christianisme ? Est-ce que tu aimais ça ? Est-ce que tu te retrouvais dans toute cette atmosphère-là ? Non, comme tout jeune enfant, on préférait rester dormir le dimanche matin. Et comment dire ? C'est vrai que moi, les choses qui me surprenaient toujours, c'était les manifestations, les parler en langue... Et beaucoup de questionnements sur la Bible. On va arriver sur l'état de conscience, comment ça s'est passé, le réveil, on va parler. Là, vraiment, je voulais rester vraiment uniquement sur le christianisme, qui veut dire comment tu te sentais à l'église pendant... Est-ce que tu es arrivé à l'étape de prendre le baptême, par exemple ? Oui. Natacha nous a dit que tu n'as pas pris le baptême du tout. J'ai pris le baptême à évangéliste. D'accord, après. Donc après... Dans l'église évangélique, donc tu t'es fait baptiser. D'accord. Est-ce que toi aussi tu t'es fait baptiser, Wadi? Oui, je me suis fait baptiser baptême d'eau à l'âge de... J'avais une trentaine d'années. D'accord. Un an ou deux après la naissance de mon fils. D'accord. Qui aujourd'hui a 15 ans. Donc ça veut dire que quelque part tu te sentais bien parce que t'as pris le baptême. Oui, je m'étais... Vous retrouviez. Je m'étais super bien intégré... dans l'église dans laquelle j'allais avant, et j'étais même impliqué, j'étais dans le pôle... Assidu, spirituel. Voilà, assidu, et en plus impliqué dans le mouvement dans lequel... Tu étais impliqué dans l'œuvre de Dieu. Voilà, dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu. Voilà. Donc voilà, et puis... D'accord, donc on va dire que vous étiez tous les deux un petit peu des entre guillemets, si je peux me permettre, des fervents chrétiens. Vous étiez vraiment des pratiquants. Oui. Vous alliez à l'église, vous parliez en langue, je suppose. Donc vous prenez la Sainte Seine, vous étiez comme tous les chrétiens qui vont, enfin comme tous les évangélistes qui vont à l'église, qui sont dans l'évangile, vous pratiquez comme Sainte Seine, parler en langue, baptême. Absolument, oui. Baptême par immersion, etc. Ok, on va tout de suite passer à l'étape suivante. Comment s'est passé le réveil ? Parce que là maintenant les téléspectateurs vont se dire, bon, ok, mais quand même le thème c'est j'ai quitté l'église pour le vaudou. Alors comment quelqu'un qui est baptisé, qui parle en langue, qui est impliqué, comme tu as dit, Joaquin, dans l'Église, qui est assidu, qui participe à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Comment tu peux arriver au vaudou ? Comment s'est passé ce réveil ? Natacha. Alors, le réveil, pour moi, c'est... Excuse-moi, je t'interromps. C'est important de bien détailler, pas pour moi, Rosemi, mais pour les téléspectateurs. C'est très long. Parce qu'il y a des gens qui... synthétise, on a une heure et demie, hein. Ouais, synthétise de sorte à ce que les... C'est un parcours assez, assez chaotique, hein, parce qu'en fait, à l'âge de 24 ans, j'ai été à l'église évangéliste pour la première fois, j'avais 24 ans. Ok. C'était suite à une séparation et j'avais ma grande sœur, en fait j'ai ma grande sœur qui est mon beau. Collège Félix, que j'embrasserai fort. Et pour mes 24 ans, je viens de me séparer de mon tout premier fiancé. J'étais complètement paumée. Et une seule chose, j'avais une voix, en fait, qui résonnait, c'est « Appelle ta sœur ». Alors que depuis que je suis arrivée en France, je n'avais jamais vu ma sœur. Donc, du coup, je contacte ma sœur, je pars chez ma sœur et ma sœur me ramène à l'église. Donc, du coup, de mes 24 ans jusqu'à mes 26 ans, mes 27 ans, j'ai rencontré après mon ex-mari à l'église, j'ai eu mon enfant à l'église, je voulais être pasteur. D'accord. Voilà, c'est vraiment, je dormais à l'église, j'ai levé à l'église, c'était l'église, pour moi c'était un tout.
Parce que, étant donné que lorsqu'on est dans une famille, je suis née dans une famille, mon père vaudouisan ou grand, ma mère nous a élevés seuls, sans, en fait, ma mère, elle a eu d'autres maris, et les maris ne sont pas restés, donc nous, on est six, et nous a élevés seuls. Oui, c'est pas évident. Donc, c'est une femme vaillante, c'est une battante. Donc, pour moi, le vaudou, c'était, on m'a toujours dit, c'est mal, c'est la sorcellerie, c'est la magie noire, c'est ils tuent les gens, ils se jalousent entre eux. C'est quelque chose de très, très mal. Donc, il y a ce côté-là qui me dit c'est très, très mal. Et mon père, qui est ougan, que je n'appelais pas papa, je n'aimais pas mon père, je n'aimais pas ce qu'il faisait. Pour moi, il servait le diable. Donc, du coup, j'ai grandi avec ça, que mon père sert le diable. Et tous les dimanches, tous les week-ends, j'avais les veillées de prière chez moi. Il fallait que j'aille voir les pasteurs qui prient pour moi, que je jeûne, j'ai les jeûnes du Daniel, 40 jours, un mois, deux mois sans manger, pour que justement, ce que mon père ou ma mère a pu me léguer, pour défaire les liens, mon héritage, pour défaire les... Ah ouais, j'ai jeûné pendant des mois pour défaire ces liens-là. Parce que comment j'ai su que j'avais un lien, c'est que je me sentais très différente. Très différente de mes frères et sœurs, très différente de mes cousines, de mes cousins. Je ne trouvais pas ma place dans la famille. Eux, ils vont à l'église, tes cousins, cousines? Il y en a qui vont à l'église, mais ils ne sont pas très, très église. Mais en tout cas, une chose est sûre, ils ne sont pas église, mais ils ne sont pas du tout ils sont pas vaudouisants. De le côté vaudouisant. D'accord. Ou sinon, ils le sont, mais en cachette. Parce que du côté de ma mère, j'ai mon oncle qui est ougan. Et depuis toute petite, on m'a toujours dit que ce n'était pas bien, mes deux oncles. Donc, ça a toujours été la guerre. Et du coup, pour moi, l'église, j'étais à fond à l'église. Et ce qui s'est passé, c'est que plus j'avançais... Plus tu avançais où? À l'église. Plus j'étais assidue, plus j'étais rigoureuse, plus après j'ai fait l'école biblique où j'ai fait avec mon ex-mari la demande pour partir faire une école. Ton ex-mari était très pratiquant, il était oui, on s'est rencontrés à l'église. Il était très assidu, tout ah ça. Ah oui, aussi. Il faisait partie de la louange. D'accord. Il voulait être pasteur. Vous serviez entre guillemets. On voulait ouvrir notre église déjà. D'accord. Ok, très bien. Donc, mais ce qui s'est passé, c'est que entre temps, je me sentais pas. Et comment dire ça? À chaque fois que j'arrivais à l'église, je ressentais de la douleur. J'avais mal. Je passais mon temps. Physiquement ou intérieurement? Intérieurement. Voilà. Intérieurement, je voyais les personnes, mais je ne les voyais pas comme ils se montraient. Je ressentais de la douleur, je ressentais de la tristesse. Et je ne pouvais pas m'empêcher, parfois, d'aller vers les gens, de les prendre dans mes bras. Et après, ça prenait beaucoup d'ampleur. Et après, ils m'ont, entre guillemets, les pasteurs disaient que j'étais une prophète parce que je parlais avec les gens, je discutais avec les gens. Et après, ben, super, je suis une prophète, c'est magnifique. Mmh. Mais sauf qu'à l'église, là où j'étais, ils ont commencé à avoir des mots et des propos assez durs parce que tout le monde savait qui était mon père. Donc, depuis toute petite, ce que je craignais, c'est chez la fille du sorcier. Mmh. Parce que petite, l'image que j'avais, c'est la fille de Félix Roberto. Roberto, c'est gros diable. Mmh. Donc du coup, j'avais peur des églises d'Haïtiens, parce que les Haïtiens, ben, dès que j'arrivais, je ressemble beaucoup à mon père. Petit Roberto, c'est un grand diable. Donc je fuyais ces églises-là, donc j'allais vers les églises françaises. Et là, ben, comme il fallait qu'il prie pour moi, j'expliquais qui était mon père. Et ben pas loupé, lorsque ça commence à se développer, mes capacités, mes compétences commencent à se développer, et je commence à dire, écoutez, j'ai peur d'être comme mon papa, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'était beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes. Jusqu'à ce qu'un jour, le mot qui est sorti de la bouche d'une sœur, c'est que je suis une sorcière. Une sœur de l'église qui t'a dit ça? Ouais. Et pourquoi t'as dit ça? Parce que je suis la fille du sorcier, que mon don, que j'avais un don qui se développait trop vite pour mon jeune âge. D'accord. Et donc, du coup, comment t'as réagi face à ça? Ça m'a fait très mal. Mais j'avais appris à l'église à savoir prendre les baffes, à se taire. Parce que j'étais très rebelle, donc il fallait que je passe d'un extrême à un autre. Il fallait pardonner, il fallait excuser, il fallait prendre sur soi que ça faisait partie de mon parcours, que c'était mon chemin d'apprentissage pour grandir. Et lorsqu'un jour, ce qui m'a fait encore le plus mal, c'est un jour j'étais enceinte de mon fils, on est parti dans un anniversaire. Et là, on faisait la fête parce qu'on était des jeunes serviteurs de Christ. Et là, j'ai un frère avec qui je suis très proche, qui me sort, qui me dit que je porte l'enfant du diable. Ouais. À moi, ça a été très, très loin. Donc, du coup, suite à cela, j'ai eu aussi ma séparation avec mon ex-mari, qu'il faut que tu la quittes parce que
elle va te faire du mal tôt ou tard, sa vraie nature va se présenter. Donc c'est vraiment, c'était très 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 compliqué. Je te sens un petit peu émue quand tu parles. Parce que c'est un parcours, ouais. C'est un parcours très douloureux. Très douloureux. Ouais. Mais ok, à ce moment-là, ok, donc toutes ces personnes-là te disent que t'es l'enfant du sorcier, ceci, donc t'es une sorcière, etc. Mais à quel moment, toi, tu prends du recul par rapport à l'Église? Est-ce que c'est suite à toutes ces critiques envers toi qui t'ont fait prendre du recul, ou c'est autre chose? Parce que toi, à ce moment-là, quand on te critique, toi, tu te dis non, moi, je suis pas une sorcière, et que toi non plus, t'aimes pas le vaudou. Mais à quel moment tu as commencé à te poser des questions? En fait, c'est ça, en fait. À quel moment tu as commencé à te réveiller spirituellement? En 2014. Explique. En 2014, il fallait que je parte en Haïti avec Carole Doxy. D'accord. Qui est une sœur de l'église que j'admirais énormément à l'époque. D'accord. Et je faisais partie de son association, les Petits Amis d'Haïti. Et j'avais mon association, les Trésors de la Terre. D'accord. Et on a fusionné les deux associations et on était partis en Haïti pour construire le centre d'accueil. J'avais jamais remis mon pied en Haïti. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avant de partir en Haïti, j'étais à l'église, je suis partie à l'église. Et là, je pleurais toutes les larmes de mon corps à l'église parce que mon père, mais je ne l'appelais pas papa. Je n'aimais pas mon père. Papa, aujourd'hui, je t'adore, je t'aime. Je n'aimais pas mon papa et je me dis, purée, je vais partir en Haïti. J'avais toutes les peurs, toutes les angoisses qui revenaient. Quand j'étais petite, mon père m'a fait partir parce qu'il y avait un des esprits qui voulait me manger, des trucs comme ça. Donc, j'avais très peur et je me suis dit en même temps, je ne peux pas partir en Haïti sans voir mon papa. Et je me rappelle ce soir-là, j'étais à l'église et j'ai crié papa, papa, papa. Et j'ai pris l'avion peu de temps après. Et lorsque je suis partie en Haïti, ben, on a construit le centre d'accueil et j'ai dormi chez la famille. Centre d'accueil de quoi? Le centre d'accueil pour des jeunes, pour D'accord. des jeunes orphelins. Ok. Okay. Et ce soir-là, là où j'ai eu mon déclic, c'est pour abréger, parce que l'histoire est tellement longue, c'est que ce soir-là, je me suis endormie et mon père était gravement malade. Mais je ne savais pas qu'il était malade. Et je sentais quelqu'un qui me réveillait, qui me demandait de me lever, de jeûner pour mon papa. Et moi, je répondais à ma tête, ma tête me parlait. C'est hors de question que je jeûne parce que là, il y a trop de bonnes choses à manger, quoi. Les mangues, les croissants, c'est hors de question. Et ça négociait, j'essayais de négocier. Non, je ne peux pas jeûner. Là, pour mon papa, il était dans la nuit, on me réveille. Hein. Et je dis non, c'est pas. Et je négociais. Et ça me disait non, il faut que tu pries pour ton papa. Et je dis non, je ne prie pas pour mon papa. En plus, il sort l'ennemi. Donc, je ne peux pas. Non. Et du coup, je me lève et ça forçait. Et je me suis levée, j'ai jeûné, j'ai expliqué à Carole. Je n'ai pas mangé, je priais. Mais je ne savais pas pourquoi. Et à 18h, j'entends cette voix qui me dit appelle-le maintenant. Je prends mon téléphone, j'appelle papa, mon père. Je fais papa, ça va? Il me dit, je sors de l'hôpital à l'instant même. Je fais, qu'est-ce qui s'est passé? Mon foie a gonflé. Et là, j'ai raccroché, je me suis dit, mais attends, en gros, Dieu, c'est le Dieu de tout le monde. Pourquoi? Parce que moi, je suis venue en mission humanitaire, on me réveille pour prier pour quelqu'un qui sert le mal. D'accord. Et donc, c'est mon premier déclic. Donc, c'est ton premier déclic. Et après, tu arrives à l'église, mais tu as continué à l'église? J'ai continué à aller à l'église. Après, j'ai rencontré d'autres personnes. J'ai eu ce que j'appelle, c'est que je me dis toujours que je suis née sur une bonne étoile. Les Guinéens, ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont vraiment pas abandonné parce que j'étais très têtue, très bornée. Ils m'ont envoyé une autre personne sur ma route. Je ne voulais rien entendre. Je lui ai dit, écoute, si tu es vaudouisant, tu es ougand, tes formations ne t'approchent même pas de moi. Il m'a dit, je suis obligée de t'aider, j'ai les pieds, j'ai les mains. Il m'a dit, j'ai les mains liées, il faut que je t'aide. Je ne voulais rien entendre. J'ai pris l'avion, je suis rentrée en France. Arrivée en France, j'ai tout perdu. J'ai pris mon sac à dos, je suis partie en Haïti en cachette sans que personne sache. Et arrivée en Haïti, j'ai appelé ce monsieur, donc du coup, qu'il a commencé à m'enseigner. Et là, je me suis séparée. Il t'a enseigné le vaudou? Oui, il m'a enseigné sur les gades. Il m'a enseigné sur la mère Thérèse. Il m'a enseigné sur qui j'étais. Il m'a dit, la première question qu'il m'a posée, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais ton identité? Et j'ai répondu, oui, je suis Natacha Félix et je suis la servante de Christ. Et il m'a regardée, il m'a dit, tu ne te connais pas. Après, on discutait, je lui ai dit, parce que je travaillais à l'époque dans l'huile de ricin avec lui, dans le cacao, c'était encore un voyage de business, mais ce voyage de business s'est transformé en voyage spirituel. Et là où ça a commencé, c'est que je lui ai dit, écoute, j'ai envie de partir dans un lieu touristique. Il m'a dit, où tu veux aller? J'ai fait, j'aime l'eau, cascade. Ramène-moi quelque part, il y a des cascades.
Et il m'a ramené, il m'a dit, ok, je vais te ramener à Sudo. À Sudo. Je lui ai dit, ah, il y a des cascades. Il me fait, oui, il y a des cascades. Mmh. Moi, je ne connaissais rien à Sudo. Mmh. Donc, du coup, sur le chemin pour partir à Sudo, et ma mère, parce que du coup, ma mère m'appelle, je dis, maman, je vais à Sudo. Et là, je vois ma mère en panique, passe-moi le téléphone, et je l'entends parler avec la personne, ne la ramène pas là, elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas ce qui va se passer, s'il te plaît, je t'en supplie, ma fille entre tes mains, Haïti c'est dangereux, ramène pas ma fille. Et lui m'a dit, madame, faites-moi confiance, elle est entre des bonnes mains, elle doit savoir qui elle est. Et ma mère, je l'entendais crier au téléphone, non, on ne lui a pas encore respecté. Ok, comme le temps passe vite, du coup, est-ce que tu as été à Sudo? J'ai été à Sudo. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu un petit monsieur qui nous coursait dans la voiture en disant à mon ami, est-ce que tu sais qui elle est? Et là, j'ai commencé à avoir peur. Je dis, je ne veux pas dans l'eau. C'est pas touristique. C'est pas ensemble la cascade. C'est un monsieur. Je descends de la voiture. Et c'est un monsieur. Cette image m'est gravée dans la tête. Et avec son bâton. Il court après mon ami qui était devant. Il m'a dit, est-ce que vous savez qui c'est? Et là, quand j'arrive à Sudo, il y avait des gens dans l'eau. Et là, je dis, non, je ne vais plus. Et, mais tu as senti des vibrations quand tu étais déjà rien que le jour que j'ai mis mon pied la première fois sur le sol haïtien à Haïti, j'ai senti la poussière qui montait et ça me disait bienvenue chez toi. Et là j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et dans l'eau c'était encore pire parce que j'arrive dans l'eau, les gens ils sortent et je vois deux enfants qui prennent ma main, mais la main droite, la main gauche, et qui me ramènent. Et la seule chose que je me souviens c'est merci. C'est comme si je parlais à mon ami, c'est pas moi qui parlais. Merci de l'avoir ramené à la maison, bienvenue à toi. Et là. Aïe Bobo, tu vas continuer ton récit. Après, pour ceux qui ne savent pas, Sudo, c'est un lieu hautement mystique. Donc, ce sont des chutes d'eau. Donc, il y a un saut, il y a une chute d'eau. Et c'est vrai qu'on dit que c'est le reposoir de plusieurs divinités de l'eau dans ces vies. Donc, il y a également le syncrétisme. Donc, c'est la divinité tutélaire de Sudo. C'est Mont-Carmel, Notre-Dame de Mont-Carmel. Mais également, il y a plein d'autres divinités qui siègent à Sudo. Et c'est vrai que quand on a nous qui sommes des afro-descendants ou qui sommes des originaires ou des natifs natales de l'île d'Haïti, quand on vient à Sudo, même les touristes, hein, quand ils viennent à Sudo, ils sentent cette haute vibration qui les envahit, et souvent, il y a même des manifestations. Merci Natacha, on revient à toi tout à l'heure. C'est un petit peu long, hein? Okay. Je t'avais prévenu. Eh oui. Ok, Joaquin, dis-nous un petit peu le parcours de ton réveil, comment tu t'es réveillée. Comment tu as eu cette prise de conscience? Donc là, je te rappelle, tu me disais que tu allais à l'église, tu étais un fervent pratiquant, tu as pris le baptême par immersion et tout ça. Comment ton réveil s'est fait? Aussi, mon témoignage est long aussi, mais on va essayer de synthétiser. On n'a pas 3 heures, on va essayer de synthétiser, s'il vous plaît. On va essayer de synthétiser. Alors, qu'est-ce qui a ramené mon réveil? Pour moi, c'était la discorde qu'il y avait dans mon mariage. Parce que j'étais marié, j'ai eu mon premier enfant, et je voyais qu'il y avait toujours, c'était toujours aussi tendu. Donc, quand j'ai commencé à aller à l'église, à reprendre le chemin de l'église, c'était pour ramener une stabilité, un équilibre au sein de mon couple et de mon foyer. Et au fur et à mesure où j'étais fervent, donc je suivais très attentivement les enseignements. J'expliquais aussi les tensions qu'il y avait dans mon mariage. Donc de là, on a commencé à me donner des conseils, parce que j'en parlais à mes pasteurs, parce qu'évidemment que dans les églises, quand dans le couple ça va pas, forcément on en parle toujours au pasteur, au couple pastoral. Ils nous donnent des conseils et c'est de là qu'on me donnait le conseil de jeûner. Parce que je voulais vraiment sauver mon mariage, sauver ma vie de famille tout simplement. Et donc de là, j'ai commencé à entrer dans des jeûnes. Et c'est pendant que je rentrais dans des jeûnes, donc on me disait de prier, de suivre pas mal de d'enseignements. Donc déjà, j'avais mes pasteurs que je trouvais déjà très cultivés sur la parole. Sur la Bible, hein. Je trouvais qu'ils avaient déjà une approche un peu plus profonde que ce que j'attendais au départ. Et j'ai commencé à suivre d'autres pasteurs sur Internet. Donc j'avais mon petit cahier où je prenais des notes. Et plus je prenais des notes et plus je me posais des questions. Parce que je me disais, c'est bizarre. En plus, il y avait des passages bibliques qui étaient des fois contradictoires.
Et pendant aussi, bon, pendant cette période où je faisais mes jeûnes, je commençais à avoir des rêves sur la situation de mon couple qui était catastrophique. Et de là, j'avais expliqué certains rêves que j'avais faits, jusqu'à qu'un jour, un des pasteurs de mon église me disait que oui, qu'on m'a enfermé dans une bouteille. J'ai dit, comment ça ? Oui, bon, on m'a expliqué que des fois, il y a des couples où l'un des couples, pour pouvoir avoir domination sur l'autre, met l'âme de la personne ou l'esprit de la personne dans une bouteille, de manière à ce que tout ce qu'elle puisse dire, que je puisse dire « Amen ». Et qu'elle m'expliquait que comme là, tu es dans un air de réveil, donc du coup, c'est comme si ce qu'elle avait fait au départ ne fonctionne plus. Donc ça, c'est un de tes pasteurs qui t'avait dit ça ? Ouais, un des pasteurs de mon église. Et donc moi, j'étais surpris. Je me disais, mais non, elle ne peut pas faire des trucs comme ça, c'est pas possible. Et de là aussi, je continuais mes enseignements, moi, personnels, que je suivais sur Internet. Je suivais plusieurs pasteurs qui avaient de renom, qui avaient un renom. Et c'est quand un jour, j'entends « Le salut vient des Juifs ». Enfin, ça, j'ai toujours entendu, mais c'est la fois où ça m'a vraiment fait tilter, c'est quand vraiment, c'était que, voilà, le salut venait des Juifs, que si la terre continue à tourner, c'est grâce à ce peuple-là. Donc, et là, je commençais à interroger l'équipe dans laquelle j'étais, parce que j'étais dans l'équipe multimédia de l'Église. Et je leur dis, mais est-ce qu'il y a des Juifs qui suivent Jésus ? Parce que c'est bizarre que nous, quand je regardais, surtout dans la plupart des églises où j'allais, la communauté noire, surtout dans le mouvement évangélique, elle est massive. Mmh. Et quand je regarde la communauté noire qui prie, mais je vois la situation du peuple noir, c'est-à-dire Afrique, Caraïbes, était toujours aussi désastreuse. Et je me dis, mais comment ça se fait ? Et c'est vrai que ce qui me dérangeait aussi beaucoup de fois, c'était que les gens beaucoup priaient pour, on va dire, pour du matériel. Mmh. Le mariage, la voiture, le travail ou le passeport ou je ne sais quoi. Mmh. Mais rien de qui puisse transcender en fait l'être. Et quand j'avais posé cette question, est-ce qu'il y a des Juifs qui suivent Jésus ? Oui, on me dit oui. Je dis, mais comment on les appelle ? Est-ce qu'on les appelle des chrétiens aussi ? Non, des Juifs messianiques. Alors, de là, j'ai dit non, c'est pas possible. Donc j'ai commencé à chercher sur Internet, voir même si je pouvais trouver des églises messianiques. J'en ai trouvé, mais j'avais un peu, on va dire, la peur, parce que comme j'avais entrepris ça tout seul, donc j'avais un peu la trouille d'aller tout seul dans une église que je connaissais pas. Donc je cherchais voir si je pouvais trouver des enseignements sur le net, parce que comme beaucoup d'églises transmettaient leur culte sur Internet. Oui, oui. Donc j'en ai trouvé quelques-uns et je voyais que pour ceux que j'ai pu trouver, ils parlaient beaucoup de la Torah. La Torah, la Torah, la Torah. Donc je me suis dit, bon vas-y, Joaquin, recommence, fais reset dans ta tête et puis ne cherche pas pour satisfaire, on va dire, ma foi. C'est juste, je veux chercher pour comprendre. Et de là, j'ai dit, bon, si le salut vient des Juifs et si la Bible et tout ce qu'on nous enseigne dans les églises, le point de départ, c'est eux. Donc de là, j'ai commencé à prendre des cours de Torah. Mmh. C'était pendant la période aussi où c'était tendu dans mon couple. Mmh. Donc pendant plusieurs années, je suivais mes cours de Torah et ça m'a énormément ouvert les yeux sur l'Ancien Testament. Et il y a eu beaucoup d'enseignements que les Juifs enseignent, qu'on n'enseigne pas du tout dans les églises évangéliques. D'accord. Déjà, ce qui m'avait surpris, c'était le rapport à la mort. Dans les églises évangéliques, tout ce qui est mort, c'est terminé. La personne, elle est partie. En gros, c'est occupe-toi du vivant. Laissez les morts ensevelir leur mort. Et tandis que chez les rabbins, c'était plutôt, ils parlaient d'incarnation, réincarnation. De là, je me suis dit, comment ça se fait ? Ils honorent aussi les ancêtres, les Juifs. Oui, beaucoup, énormément, parce que quand ils parlent de Moïse, David, limite, eux, c'est quand vous écoutez un rabbin parler, vous avez l'impression d'être, moi j'avais l'impression, des fois, d'être carrément
dans le récit de la Bible. Mmh. Et pour moi, c'était extrêmement épatant. Donc, et j'avais un cousin avec qui j'échangeais tout le temps, et une cousine aussi, à qui on échangeait énormément de ça. Et j'étais limite à deux doigts de me faire convertir au judaïsme. Mmh. Et il y a eu quand même des questionnements, tout comme j'en ai eu à l'église. Mais en suivant aussi la Torah, je me suis encore posé plus de questions, mais encore plus profondes. Parce que dans la Torah, il y a des grades de... Des paliers. De profondeur des écritures. Et jusqu'à même commencer à apprendre un peu tout ce qui était la Kabbale, enfin l'ésotérisme. Et c'est là que je me suis dit, ah, je comprends pourquoi, on va dire, ils dominent le monde et tout ça. Et je me suis dit, mais alors... Ils pratiquent la magie, les Juifs, d'après ce que toi, tu as appris via tes cours de... Alors, c'est pas de la magie, c'est de la science. C'est de l'ésotérisme. C'est de la science spirituelle. Bon, l'ésotérisme, c'est un peu de la magie. Oui, oui, mais enfin, moi je parle, au moment où je commence à découvrir ça, oui, évidemment, je ne dis pas que c'est de la magie, pour moi c'était une science. D'accord. Et quand j'écoutais, et c'est là qu'en découvrant cette science, ben, je commençais à écouter aussi des témoignages de pasteurs qui, eux, ont dit, oui, j'étais le bras droit de Satan. Donc en fait, pour moi, c'est bizarre. Donc il faut attendre qu'il y ait un homme qui soit dans les trucs sataniques, pour qu'il puisse sortir de là où il était, expliquer ce qui se passe en fait dans le monde satanique, occulte, pour pouvoir en gros avoir les armes. Je dis non, je vais pas me faire berner par ce genre de personne. Je dis ce que lui il sait, moi aussi il faut que je le sache. Et ça c'est vraiment parce que j'ai commencé à découvrir un peu l'ésotérisme. Et c'est là que je dis non, il n'y a pas moyen d'attendre quelqu'un, on va dire, tomber bas dans l'occultisme pour que en gros il puisse... ressurgir et expliquer le pourquoi et le comment fonctionnent les démons, les anges. Mmh. Et moi, toute cette connaissance, j'ai dit non, il faut que je le sache. Oui, mais maintenant, comment tu te positionnais? Parce que les Juifs ne croient pas en Jésus. Toi, tu allais à l'église où vous priez Jésus, vous prenez le baptême par immersion au nom de Jésus. Votre croyance, elle est basée autour de Jésus. Donc, tu ne te sentais pas en porte-à-faux? Si, énormément. Mais ça ne m'empêchait pas. Pour moi, c'était une connaissance de plus. Supplémentaire. Voilà, okay. C'était une connaissance de plus. Je me disais juste, bon, ils ne connaissent pas Jésus. Mais en même temps, je continuais toujours à faire mes recherches. Et les pasteurs, ils disaient quoi de tes recherches? Ah, c'est là où, le jour où j'en ai parlé à mon pasteur, j'ai fait comprendre que je suivais des rabbins. La seule réponse qui m'est donnée, c'était « Suis Jésus et c'est tout ». Le rabbin t'a dit cette réponse? Non, mon pasteur. Le pasteur. Donc quand tu lui as dit que tu suis des rabbins, il t'a dit « suis Jésus ». « Suis Jésus » et c'est tout. Pourquoi tu te prends la tête? C'est ce que je lui dis. Je lui dis « mais oui, justement, pasteur, parce que regarde notre peuple. En gros, en l'occurrence, le peuple noir. Parce que moi, quand je regarde, les églises évangéliques sont remplies de noirs. Et je me dis « pourquoi justement... il n'y a pas des prières pour pouvoir, limite, changer la mentalité ou élever la conscience du peuple, du continent, pour que, en gros, on puisse tous se réveiller et puis dire que avoir notre place, on va dire, dans la communauté mondiale, que on n'était pas que d'être la queue, c'était bon, ça suffit. Mais quand j'ai voulu, on va dire, amener toute cette approche, et lui, il m'a juste dit, mais arrête. Tu t'égares, tu te prends la tête, juste suis Jésus et c'est tout. Et c'est le jour où il m'a dit cette parole, j'ai dit plus jamais je ne retournerai à l'église. Parce que oui, bien sûr, pourquoi je me suis dit ça? Parce que quand je commençais à découvrir réellement le côté, on va dire, il y a le côté, comment on appelle ça, quand on prend des cours bibliques Le côté apprentissage, non, côté connaissance théorique, théologique. Oui, théologique. Voilà, parce que je suivais aussi beaucoup de théologie. Quand on assimile la théologie avec on va dire tout ce qui est mystique, parce que j'entendais aussi le pasteur parler des hommes mystiques qui étaient aussi liés aussi à la parole. Donc, et quand je faisais toutes ces approches, c'est là que je me suis dit, non, soit ils savent et ils induisent, soit ils savent et ils nous le disent pas. Donc s'ils nous disent rien, c'est qu'ils nous ont dit en erreur. Et s'ils le savent et qu'ils le cachent, c'est soit on n'est pas prêt, mais même si on n'était pas prêt, ça veut dire qu'ils nous ont dit quand même en erreur. Et c'est là que je dis non, plus jamais je mettrai les pieds et plus jamais je ferai confiance à un pasteur. Parce qu'on va dire c'est du... Et pour toi, selon toi, ils savent la vérité ou ils ne le savent pas? Je pense qu'il y en a qui le savent. Je pense même beaucoup le savent. Mais on va dire c'est...
aujourd'hui, enfin, l'église, c'est une économie, c'est même pour aller plus loin, c'est le meilleur moyen de pouvoir tenir un peuple sans se rebeller, avec des croyances, parce que justement, chez les juifs, ils ne sont pas dans la croyance, ils sont dans le savoir. Vous êtes un sachant. Donc, dès lors où vous savez, vous connaissez les choses, forcément, oui, là, vous êtes beaucoup plus libre. Beaucoup plus puissant. Aussi. Voilà. Ben, c'est comme ça qu'au niveau d'esclavage, c'est comme ça qu'ils nous ont assujettis. Bah, ils rejettent ta culture, exactement. Rejettent tes pratiques, rejettent l'univers. Tiens la Bible. Ouais, exactement, exactement. Et c'est, d'accord, c'est... on va venir après ben, au vaudou. Donc là, c'était le récit d'un petit peu de votre divers questionnements. On va faire une courte pause et on revient tout de suite. Aïe, bobo. Aïe, bobo. Commencez l'année en beauté, en mettant toutes les chances de votre côté. Rejetez et éloignez toutes les mauvaises énergies de l'année 2020 pour attirer toutes les bonnes pour l'année 2021. Et pour ce faire, moi, Rosemi Mambo Asogui, je vous propose un package nouvelle année qui comprend un bain de purification, une prière spéciale, un bain chance et une bougie consacrée. Les produits sont naturels, des bains de qualité, une magie de qualité. Tous les bains sont faits uniquement sur commande et faits en fonction de votre étoile et de votre cycle lunaire. Un prix unique, le package est à 237 € hors frais d'envoi pour ceux qui désirent la livraison. Vous pouvez me joindre pour commander vos paquets au 07 53 90 92 10. Vous pouvez également m'envoyer un message sur WhatsApp à ce même numéro. À bientôt. Aïe bobo, aïe bobo, nous voici de retour dans Minocan avec ce soir Natacha Félix et Joaquin Baguidi pour parler avec nous ben, de leur parcours. J'ai quitté l'église pour le vaudou. On reprend tout de suite. Ils nous ont un petit peu expliqué leur parcours en tant que chrétien, en tant que jeune chrétien. Ils nous ont aussi raconté le récit de leur réveil, comment ils ont commencé à prendre conscience. Et maintenant, on va passer au plat de résistance. Comment sont-ils passés au vaudou? Mais tout d'abord, je tiens à remercier Estella Jewelry pour le prêt des bijoux qu'elle m'a fait. Vous pouvez la joindre au 07 53 67 51 97. Aïe bobo. Alors, on continue tout de suite sans perdre de temps. Natacha Félix. Alors, explique-nous, explique aux téléspectateurs pourquoi, mais surtout comment. En fait, les deux sont importants. Pourquoi, comment as-tu décidé de t'intéresser au vaudou? Toi qu'on appelait la sorcière, presque on t'appelait Caraba, pour mettre un petit peu d'humour. Toi qu'on disait que tu étais une sorcière, tu étais l'enfant du sorcier, que l'enfant était l'enfant... L'esprit de Jézabel. Voilà. Donc, et toi qui détestais le vaudou, toi qui faisais des jeûnes, des prières, des intercessions pour briser ce lien familial, alors comment, alors là, avec tout ça, t'as fait finalement pour, on va dire... te tourner un petit peu ou regarder d'un œil différent le vaudou pour t'y intéresser? Une recherche d'identité. Je suis afro-descendante, donc je n'ai pas choisi d'être vaudouisante. Je suis vaudouisante. Mais comment, oui, mais comment t'arrives à cette conclusion, toi qui n'aimais pas le vaudou? Alors, en Haïti, c'est passé un truc. C'est que, oui, Haïti, c'est là où tout a commencé. J'étais vraiment en difficulté. Je me suis failli faire tuer. Et puis, ce soir-là, je vais abréger. Ce soir-là, parce que moi, je suis un saint Thomas. J'ai besoin de voir pourquoi. Et il y a une chose que j'en suis sûre et certaine, hein, c'est que le portail s'est ouvert et qu'il s'est présenté. Il s'est présenté à moi, les gens, un esprit. Donc, les chiens aboyaient, les gens étaient dehors, la maison tournait. Il m'a dit son nom parce qu'il sait que je suis Capone. Et il s'est présenté. J'ai juste vu le pantalon couleur, c'était roux, marron. Et j'ai pas vu la tête d'une chemise blanche. Je sais qu'il avait son épée. Et puis, il m'a dit son nom et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Non, il s'est battu. Moi, je lui ai dit, mais non, moi, je prie Jésus. Et je vais jamais oublier cette phrase. C'est prie ce que tu veux. Mais attache-toi à ma taille, je vais combattre pour toi. Mmh. Et ce n'est pas un rêve. Donc, oui, ça a commencé là. Parce que lorsque j'ai été voir mon père, j'ai posé des questions. Et mon père, je voyais les gens qui allaient se faire soigner parce que mon père était malade. Et je lui disais, quand j'étais le voir pour lui raconter ce qui s'était passé, c'était à Grand-Gouave, je crois, ou Tigouave. Le lendemain, je dis, mettez-moi dans une voiture, ramenez-moi à Fontenay. Et du coup, j'expliquais à mon père, il m'a expliqué pourquoi ça m'était arrivé, que c'est une question de vengeance. Il a fait travail pour une personne, et la personne n'a pas payé, la personne est décédée, mais ce n'était pas lui. Il se trouve que je suis sa fille, j'ai dormi dans cette maison, donc c'était une question de vengeance. Et là encore, je lui dis, tu vois, c'est dégueulasse, le vaudou, c'est que la mort, c'est que la mort. Il m'a dit, non, c'est pas ça. Il m'a parlé, et ce jour-là, mon père, il allait travailler.
Et je lui ai dit, papa, va pas travailler, tu es malade. Et il m'a dit, non, ces gens, ils ont besoin de moi. Il fait, non, tu es malade. Donc, je suis partie, il y a mon cousin qui m'a mis dans sa voiture, on était partis sur les terres pour l'agriculture, parce que je travaillais un peu dans l'agriculture. Et là, il y avait une file de personnes. Je vois mon cousin s'arrêter devant une ligne, vraiment, c'était vraiment des gens qui marchaient à la queue. Il s'arrête, il me dit, tu vois toutes ces personnes-là? J'ai fait, ouais. Enfin, ben, ils se dirigent tous vers chez ton père. Je sais pourquoi. Enfin, ils sont tous malades. Et parce que pour moi, travailler, être ougan, c'était tout le temps les esprits devraient s'emparer de ta personne, de ton corps. Ça te rendait faible et que tu n'avais plus de force, c'était malade. Pour moi, c'est hors de question qu'il aille travailler. Il y avait une dame dans la file d'attente et mon cousin, il me dit, tu vois, cette dame, il n'y a même pas un mois cela, elle n'arrivait pas à marcher. Elle était maigre comme un clou. Et aujourd'hui, regarde-la, elle marche. Ça, c'est le travail de ton père. Et c'est à partir de là que je suis rentrée en France. Et j'ai vu que c'était pas mal ce qu'il faisait. C'est de là que j'ai appelé mon papa, papa. C'est là que j'ai commencé à lui poser des questions. Il a commencé à me parler, à me dire que c'est le cœur. Le vaudou, c'est le cœur. C'est que tu peux être... chaque pays a sa culture. Tu peux être... Tu es indien, ben voilà. Tu es hindou. Tu es juif, ben tu es dans les pays musulmans, t'es musulman. Tu es haïtienne, tu es vaudouisante. T'es une afro-descendante, t'as une histoire. Haïti a une histoire. Donc que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu es ma fille, t'es vaudouisante. Ok, et voilà. est-ce qu'à partir de ça, est-ce que le déclic a été... Oui, tout de suite, quand j'ai vu qu'on ne faisait pas que mal. Mais est-ce que ça a été aussi facile après du monde? Ok, il te dit ça, ça a fait le déclic. Oui. Mais après toi, tu rentres en France. Je rentre en France. Face à tes réalités. J'arrivais plus à aller à l'église. Ok. J'ai trouvé que c'était super hypocrite de ma part. J'arrivais plus à aller prier en langue. J'arrivais plus à... Mais tu priais chez toi? Je priais beaucoup chez moi. Tu priais Jésus chez toi? Je priais Jésus chez moi. D'accord, donc c'est juste à l'église que tu n'arrivais plus. Ok, donc à partir de quel moment, ce qui m'intéresse, ce qui peut intéresser tes spectateurs, à partir de quel moment tu t'as commencé à dire, bon ben, je commençais à m'intéresser aux lois? Ils se sont présentés à moi. D'accord. Ok, à partir de quel moment tu as commencé à t'intéresser aux lois? Quand ils se sont présentés. Donc du coup, à ce moment-là, tu as arrêté. J'ai arrêté, j'arrivais plus parce qu'ils m'ont donné la signification de Jésus. De le Grégor, de chaque pays a son nom Grégor. Il m'a enseigné petit à petit. Ça fait combien de temps, ça? C'était en 2019, fin 2019. D'accord. Ouais, donc, il y a pas longtemps. Maintenant, tu es une vaudouisante qui s'assume. Est-ce que ça a été facile? En tout cas, j'ai plus honte. C'était pas facile. T'avais honte à un moment? J'avais très, très mais c'est honte. Ça, c'est ça que c'est là où je veux en venir. Parce j'avais que là, moi, on va virer Bayo. J'avais très, très, très honte. J'avais honte de dire... même, je l'ai jamais dit, en fait. Parce que même ma mère, j'ai jamais pu ouvrir ma bouche. Ok, on va en revenir après. Ouais. D'accord. Maintenant, donc c'est grâce à tout cela, ton papa... Tu as vu que finalement le vaudou, c'était pas ce qu'on raconte, c'est pas ce que tu pensais. Le mal. Et aussi les divinités, les esprits qui sont venus se présenter à toi. C'est là que tu t'es intéressée au vaudou. Je me suis réveillée, ils se sont présentés. J'ai dit, écoutez, si vous voulez, parce que vous voulez vraiment que je fasse partie de ma culture, que je sois vaudouisante, parce que je le suis de fait. Mais si vous voulez que je pratique, j'allume une bougie, parce que mon père m'avait dit, pose un accord. Donc ce soir-là, mon père m'avait dit, voilà, tu donnes tes conditions, puisque je ne supporte pas le son, je ne veux pas voir les bêtes se faire tuer, j'aime trop les animaux. Donc oui, j'ai posé d'accord, et ce soir-là, c'était magnifique, c'était le plus beau on jour. On va y revenir après. Pourquoi, comment tu t'as décidé de t'intéresser au vaudou et comment ça s'est passé? Alors, comment j'ai décidé de m'intéresser au vaudou? C'est vraiment quand j'ai commencé à m'instruire sur l'histoire de l'Afrique avant, on va dire, le commerce des esclaves. Et quand j'ai commencé à... Ce que je me suis dit, on va dire, parce que c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de choses, en fait, qui amènent aujourd'hui, on va dire, à ce réveil. Mais c'est vrai que le fait de m'être instruit, parce que comment expliquer? Déjà, j'avais l'impression que quand j'écoutais, justement, pour en revenir à tout à l'heure, quand j'écoutais les Juifs expliquer l'esclavage des Juifs en Égypte, quand j'écoutais les récits, j'avais pas l'impression qu'ils parlaient d'eux. Mais j'avais vraiment cette forte intuition que c'est bizarre, que la manière dont ils en parlent, c'est pas leur histoire. Et je me suis dit, non, il faut que je cherche
l'Afrique avant l'ère de l'esclavage. Et j'ai commencé à chercher, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient racontées, on va dire, par des historiens occidentaux. Je me suis dit non, parce qu'un occidental, il n'accepterait pas qu'un étranger parle de, on va dire, de la France. Il faut que ce soit un Français qui parle de la France, de son histoire. Alors, je me suis dit, est-ce qu'il y a des historiens africains qui parlent de l'Afrique avant le commerce triangulaire? Et j'ai commencé à chercher, j'en ai trouvé, donc dans des connus, pour ne pas trop les citer, Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, Serge Gouvi Gomez, et notamment, bon ça c'était dernièrement, ça c'est le professeur Pierre Nilon dont tu avais invité. Et quand j'ai commencé à découvrir l'histoire de l'Afrique avant l'esclavage, pour moi j'avais reçu un choc. Parce qu'en fait, tout ce qui se fait en Occident, en Europe, en l'occurrence, c'était du copier-coller. Et que j'ai commencé à découvrir que, en fait, la Bible, c'est un concentré de l'histoire égyptienne, de l'histoire du continent, du monde noir. Voilà, c'est un plagiat du monde noir. Que Jésus, c'est sans vouloir être vulgaire pour les chrétiens, c'est une fable. L'histoire de Moïse, même scientifiquement, parce que moi j'étais vraiment plongé dans tout. Mmh. Pour moi c'était voilà, comme je voulais être un juif, limite un rabbin. Voilà, pour moi je voulais être un rabbin. Donc une qui voulait être pasteur, l'autre qui voulait être rabbin, on a tout, hein. Et donc pour moi il était important de savoir, parce que par exemple, pour être un rabbin, il faut être scientifique, il faut être anthropologue, il faut être mathématicien. Donc, je me suis vraiment plongé dans toutes ces recherches. Mm-hmm. Donc, on va dire, j'avais le cerveau partout. Ouais, ça fusait de partout. Je prenais les informations partout. Et c'est ça qui, quand j'ai commencé à comprendre vraiment tout le, on va dire, ce mensonge universel, pour moi, je l'appelle en fait, on vit dans un mensonge universel. Et c'est là que ça m'a fait, et c'est là que ça m'a rendu vraiment rebelle au mouvement, on va dire, des religions. D'accord, mais la question, donc c'est à partir de là que tu t'es intéressé au vaudou. Oui, parce que quand on s'intéresse à l'Afrique, on parle que du vaudou. Ouais. Que du vaudou, que ça. Mais donc, et comme je disais tout à l'heure, je commençais à faire tout ce qui était développement personnel, l'ésotérisme. Donc après qu'on commence à comprendre que, oui, à l'église, on nous enseigne qu'on a l'âme, le corps et l'esprit, mais en vérité, on a encore d'autres corps. On a les chakras, on a la glande pidéale, on a tous les glandes qui font fonctionner. Avec tout ce que tu dis, là, on devait te prendre pour un fou. Ah oui, non, mais dans ma famille, j'étais un fou. Pour ma mère. Ah oui, pour ma mère. Tu leur dis glande pidéale, glande de quoi? Ah oui, oui. Ah non, pour ma mère, j'étais dans la Rose-Croix, même mon frère une fois. Ouais, pour ma mère, j'étais dans la Rose-Croix, je suis dans la franc-maçonnerie. Une fois, mon frère, ça m'avait énormément vexé parce que bon, moi, j'étais plus dans une quête de recherche spirituelle, et que lui, il me dit oui, qu'il a fait un rêve où il me voyait avec des pentagrammes sur la main, enfin, sur les paumes des mains, et qu'il me voyait avec des bougies tout autour. Et je lui ai fait comprendre que non, la même manière, je lui dis. En gros, c'est comme si pour lui, t'étais devenu un sorcier. Ah oui, oui, oui. Ah oui, pour ma famille, j'étais même limite, quand je parlais, vas-y, c'est Joaquin, vas-y, il est fou, il est pété du cerveau. Mmh. Et moi, ce qui me maintenait, c'était que dans ma tête, je me disais juste, les pauvres, ils savent pas ce que. Ils ne savent pas. Avant de te laisser continuer, moi, la question que je me pose, et donc ce sera la même pour Natacha. Mais tu allais à l'église. Ah non, là, j'y allais plus. Attends, j'ai dit tu allais, donc oui. Avant tu allais. Ouais. Ok? Tu allais à l'église, tu parlais en langue. Mais comment tu peux arriver à cette... Donc là, je parle pas pour moi, je parle pour les téléspectateurs. Comment tu peux arriver après à la conclusion, ben ouais, c'est une fable, oh non, tout ça, c'est du n'importe quoi. Toi qui parlais en langue. Oui. Alors, or qu'aujourd'hui, il y a encore des gens que vous connaissez, que tu connais, que Natacha connaît, qui vont encore à l'église et qui parlent encore en langue, or que vous, vous parlez en langue. Alors, mais tu crois plus en Jésus, alors, mais qu'est-ce que tu faisais à l'église? Bah, t'es à fond dedans. Tu vas répondre aussi, Natacha, mais Joaquin. Bah, c'est pour ça que... l'explication, on peut pas réellement cibler le vrai, le pourquoi du comment. En fait, c'est plein de réactions qui ont mené, on va dire, plein de réactions en chaîne qui ont ramené, on va dire, une touche finale à tout ça. C'est, moi, j'ai commencé aussi à entendre des pasteurs carrément qui disaient que Jésus était noir,
que le peuple, que l'ancien Israël était noir. Je dis, mais c'est quoi ces trucs? Donc, comme j'étais totalement ouvert à tout, pour moi, je me dis, je prends les infos, j'enregistre et après, je fais du nettoyage. Et donc, et quand j'ai commencé à écouter ces pasteurs qui expliquaient que Jésus était noir, ils ramenaient les preuves, les versets. Et donc, moi aussi, je faisais mes recherches. Et jusqu'à un moment donné, oui, j'entendais des noirs disant que c'était eux et les anciens, les premiers juifs. Après, tout ça, c'est après, il faut toujours décortiquer. Et c'est un travail de plus de 10 ans hein, que j'ai fait. Et vraiment, moi, ce qui m'a ramené, pour répondre clairement à ta question, c'est le fait d'avoir pris conscience, enfin, connaissance et conscience de l'histoire de l'Afrique. Mmh. Plus, on va dire, cet arrachement d'un peuple avec tout ce qu'ils sont, leur identité, leur religion, leurs croyances, leurs coutumes, on les a balancés ailleurs. Et eux, on va dire, ils ont cherché, ils ont toujours fait en sorte de faire continuer, enfin, de continuer à faire vivre ce qu'ils sont, leur identité. C'est-à-dire que même si le noir déporté, il a toujours une fibre ou une étincelle de ce qu'il est. Et moi, je le voyais j'ai commencé à comprendre pourquoi il y avait énormément de manifestations dans les églises évangéliques noires. Parce qu'il y en avait très peu chez les églises blanches. Il y en avait très peu dans ton église. T'allais dans une église de blanc, toi. Oui. Est-ce qu'il y avait des manifestations? Très, très peu. Tu manifestais? Non. Non? Tu parlais en langue? Oui. J'ai manifesté, mais c'était différent. Il y a plusieurs façons. D'accord. Il y en a qui sont très rares, il y en a qui sont alors, plus calmes. Alors, voilà. Ok. Wakin, selon toi, pourquoi dans les églises, entre guillemets, dites de noir, pourquoi il y a énormément de manifestations? Il y a pour loi. Non, mais la vérité, c'est ça. C'est tout simplement ça. C'est comme le film Jumanji. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non. Je ne sais pas si tu l'as vu non plus, Jumanji. Non. Souvent, en fait, on entend un bruit de tambour, en fait. C'est comme si Jumanji. Oui, Jumanji. Ah, quand tu as dit Jumanji, ok, Jumanji. Jumanji, voilà. Jumanji, oui, tu vois. Et on voyait souvent que quand, à la fin du film, on entend les bruits des tambours. Ah, c'est l'esclavage, le film sur l'esclavage. Non, le jeu là, Jumanji, où il joue dans un jeu, et puis quand tu lances le dé, ça avance les pions, mais la case qui s'allume, en fait, ça se passe pour de vrai, en fait. Voilà. D'accord. Voilà. Et en fait, compte, toutes les manifestations qu'il y a dans les églises, surtout, en plus, j'avais commencé à comprendre ce que c'était que la femme. Que la femme, c'est vraiment ce canal d'énergie, que la femme, c'est ce vase, on va dire, ce vase, ce grand réceptacle. Et je comprenais, et c'est à la suite de tout ça que j'ai commencé à comprendre que, ah ouais, en fait, toutes les manifestations qu'il y a dans les églises noires, que ce soit africaines, antillaises ou haïtienne. Peu importe, voilà, c'est tout simplement on va dire, une étincelle de ce qu'ils sont. Mais eux, ils pensent que c'est le Saint-Esprit, or que c'est pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit tout court. C'est l'esprit ancestral. Et ça a commencé, parce que j'ai aussi cherché, c'est quand ils ont commencé à réintroduire, on va dire, les guitares. Enfin, quand je dis les guitares, les instruments, et surtout les batteries et les tambours. Ouais, ouais. Alors, dès lors, une église où il y a des batteries et des tambours, comme on dit, bâton chocolat, objet à manifestation dans les églises de noires. Ouais. Voilà. D'accord. Mais ok, je suis bien contente. Mais en fait, vous me laissez sur ma faim. Et si vous me laissez sur ma faim, ça veut dire que vous laissez les téléspectateurs sur leur faim également. Quand je vous ai demandé comment avez-vous commencé à vous intéresser au vaudou. Quelles ont été vos premières démarches? Donc, Natacha, t'es passée du coq à l'âne en disant que, en fait, ton père, t'avais vu ce qu'était le vaudou, donc du coup, t'es allée à l'église. Mais après, chez toi, parce que ton père ne vit pas ici avec toi. Joaquin, pareil, tu as vu un petit peu l'enseignement rabbinique, si je peux dire ça comme oui. ça. T'as arrêté d'aller à l'église, après, t'as étudié l'histoire post-esclavagiste. Maintenant, à la pratique. C'est ça. Comment, qu'est-ce qui s'est passé qui veut dire, ok, bon. Alors moi je peux surtout, le dire. Surtout, Natacha, à la rigueur, son père est ougand.
Ben moi, je peux. Il me semble pas que tu m'aies dit. Moi, c'est tout simple. Mais les téléspectateurs, ils veulent savoir. Et après, donc, ok, la partie on a laissé l'église, on s'interroge. Et après, c'était quoi la prochaine? Moi, c'est tout simple. C'est on a un groupe de WhatsApp de famille. Et c'est un jour, mon frère, il balance une vidéo de ton interview. Donc ce frère qui disait que t'étais fou, c'est ça? Voilà. Et que de toute façon, quand il me disait que j'étais, quand il me disait plus ou moins que j'étais fou, je leur disais de toute façon c'est pas grave. Bientôt vous serez là où je suis, vous y serez quoi qu'il arrive. Okay. Et c'est une fois il y a 2 ans de ça. Il envoie en fait dans le groupe de famille parce que forcément il y en a qui commençaient à se réveiller, à étudier un peu, à commencer à étudier tout simplement l'histoire, parce que ne serait-ce juste d'étudier l'histoire, déjà ça ouvre les yeux aux afro-descendants. Pour ceux qui veulent se réveiller, juste déjà en apprenant l'histoire, déjà ça, c'est déjà un des premiers réveils. Et c'est comme ça que ça s'est déclenché, jusqu'à un jour où mon frère envoie, c'était en 2018, la vidéo où tu étais en interview je crois en Haïti. Et quand il l'envoie, il met juste en dessous, regardez ce qu'elle a fait, c'est remarquable. En gros, honneur et respect à elle parce que voilà. Donc moi, je clique dessus, je regarde, en l'occurrence, ta vidéo, enfin, ton interview. Et quand j'écoute tout ce par quoi t'es passé, ben c'est exactement ce dans quoi je suis passé et je suis encore actuellement. Et là où moi j'ai trouvé encore ça plus remarquable, j'ai dit purée, la meuf elle vit les mêmes trucs que moi, mais elle a été carrément, elle a écrit un livre. J'ai dit non, il y a pas moyen, il faut que, ah oui parce que quand j'ai regardé la vidéo, j'avais pas tilté qu'en fait quand on se connaissait. Et quand j'ai dit non mais on dirait que je la connais, j'ai reconnu les yeux, j'ai dit mais non c'est pas possible que ce soit elle. J'ai attendu que le prompteur mette le nom. J'ai vu Rosemy Paradis. J'ai dit, si, c'est elle. Et là, j'ai envoyé tout de suite un texto en disant, mais vous n'avez pas reconnu que c'était Rosemy? Et là, tout le monde, ça a déclenché. Ah ouais, c'est elle. Ah ouais, bon, donc, il y avait une partie de ma famille qui était, oulala, laisse tomber. Et une autre partie, c'était, ah ouais, c'est étrange. Enfin, ils se sont posé des questions. Et moi, tout de suite, j'ai dit, y a pas moyen, je rentre en communication avec elle. Donc, j'ai cherché voir si je l'avais dans mes contacts Facebook. Il me semble que je crois que je t'avais pas. Hein. Non. Non. Donc, je t'ai envoyé un message. Et pour moi, c'était de l'admiration. C'était, t'as écrit un récit sur ce que toi, tu as vécu, ton témoignage. Et que tout ce parcours, tu l'expliques. Et que moi, en fait, même à cette même période, je cherchais comment même financer. Comment dire, pour moi, j'étais prêt à aller dans une école initiatique Kimuntu pour pouvoir apprendre je voulais me faire initier dans le Kikongo, tout ce qui était la religion ancestrale, c'est-à-dire primordiale. Et quand j'ai vu ton témoignage, donc je suis entré en contact avec toi, et même toi, t'étais choqué, parce qu'en fait, on se connaissait petit, on allait à l'église, on s'était jamais parlé, et de là, de fil en aiguille, on a commencé à échanger. J'ai acheté ton bouquin, j'ai lu ton bouquin. Et effectivement, il y avait beaucoup de choses qui me parlaient. Et c'est vrai que du fait que pour moi, je me dis, ouais, elle est mambo, donc elle a forcément des choses à m'apprendre. Et effectivement, maintenant depuis 2 ans, je suis dans ton école, on va dire initiatique vaudou. Et c'est comme ça que quand tu m'as proposé d'apprendre les fondamentaux. Et c'est comme ça que j'ai accepté. J'ai accepté, voilà. Natacha, est-ce que maintenant ta mémoire te revient? Moi, ça ne se passe pas du tout comme ça. Ok, résume-nous, parce qu'on est alors, pris par le temps. Résume. Moi, personnellement, je ne pratique pas mon quotidien. Non, on n'est pas encore à comment vis-tu ta spiritualité. D'accord. Donc, c'était quoi la question? En fait, la question, c'était comment tu, à partir du moment où tu t'intéresses au vaudou, comment fais-tu pour commencer à te dire que tu es vaudouisante? Comment tu fais? Quel a été, on va dire, l'élément déclencheur pour te dire ça y est, je commence ma vie de vaudouisante maintenant? Oui, c'est à partir du moment que... à partir du moment qu'ils se sont présentés, que j'ai pas eu peur,
C'était serein. Je me suis réveillée. J'ai expliqué à ma mère les larmes aux yeux en disant j'ai parlé avec Dieu. Mm-hmm. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Là, c'était pas un rêve. C'était très réel. Ça s'est fait. C'était magnifique. Ça s'est fait un à un. Quoi. Elles se sont présentées. C'est vraiment les quatre éléments. Le guerrier qui court, moi derrière, qui me prend, qui me balance, qui me retrouve dans la forêt, qui me balance, qui me plonge sous l'eau, l'arc-en-ciel, tout. Et ça a parlé. Et quand je me suis réveillée, j'avais la conviction parce que dans la Bible, on dit toujours que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Ça, c'est ancré en moi et ça reste. Mm. Et comme aussi c'est écrit dans la Bible, j'ai été formatée à la Bible, c'est « Par manque de connaissances, mon peuple périra. Mm. » Donc, ce qui s'est passé, je suis partie chercher la connaissance. Donc, j'ai fouillé comme Joaquin, j'ai beaucoup fouillé. Et du coup, voilà, je me suis dit « Je m'accepte comme je suis. » Donc, mon quotidien, comment j'arrive à accepter, c'est de déjà m'accepter moi, ne plus avoir honte. C'était ça ma démarche. D'accord, on va y revenir après la pause. Voilà, m'accepter, je me suis acceptée. J'ai fait mes recherches. J'ai été très loin au niveau aussi l'Afrique, le Bénin, le royaume de Bahomé, les esclaves. Pour moi, c'est que les esclaves qui étaient tous vaudouisants, les esclaves qui lisaient la nature, où sont-ils aujourd'hui? Alors, parce que c'est vaudouisants qui lisent la nature, est-ce qu'ils sont tous en enfer? Les esclaves qu'on a fouettés pour dire refusez votre culture, rejetez votre culture, prenez la Bible, où sont-ils aujourd'hui? Donc, à partir du moment où j'ai trouvé ces réponses-là, moi, ma démarche personnelle, c'est accepte-moi comme je suis. Voilà. Aïe, Bobo. On revient tout de suite dans Minocan. Merci. Aïe, Bobo, aïe, Bobo, aïe, Bobo. On reprend tout de suite avec notre rubrique « Cherchez qu'on est ». Dans ce numéro, je vais vous parler du sel. C'est vrai que le sel, on en entend beaucoup parler dans le vaudou, dans l'ésotérisme en général et dans diverses religions, on entend parler du sel. Mais savons-nous réellement ce qu'est le sel? Quelles sont ses propriétés? D'où ça vient? Comment peut-on l'utiliser? Quel type de sel doit-on utiliser? Eh bien, dans « Cherchez qu'on est », c'est ce dont je vais vous parler. Du sel. Déjà, il faut savoir que le sel, c'est un des condiments les plus anciens de notre histoire. Donc, ça remonte depuis l'époque de la préhistoire. OK ? Le sel a ses particularités et est apprécié pour ses qualités condimentaires et aussi ses capacités de conservation. Il faut savoir qu'à l'époque de l'Empire romain, le sel était considéré comme l'or, comme la soie. Et comme les épices. Donc c'était des choses qui étaient très très prisées et c'est ce qui a permis à l'Empire romain de s'enrichir et de développer son armée. Parce que le sel était une monnaie d'échange. La preuve en est bien grande, c'est du mot sel que le mot salaire vient. Donc quand on dit le salaire, ça vient du mot sel parce qu'on payait souvent les soldats en sel. C'était une monnaie d'échange. Maintenant il faut savoir que depuis l'Antiquité, on utilisait le sel. Donc, à l'époque pharaonique, ils utilisaient le sel pour faire des offrandes à leurs dieux, parce que le sel leur permettait de se mettre en contact avec leurs dieux. Pas seulement dans l'Égypte pharaonique, ne serait-ce que dans les religions dites abrahamiques, telles que le judaïsme et le christianisme, on se sert du sel pour conjurer le mauvais sort, éloigner les mauvais esprits. Dans l'ésotérisme en général et dans le vaudou, on utilise le sel pour purifier notre aura, pour purifier notre corps astral et purifier notre psychisme. C'est très important. Ça permet d'augmenter notre mode vibratoire. Très important. Mais vous allez me dire, quel type de sel? Est-ce que c'est le sel de table là, qu'on vend en magasin? Non. Souvent, les gens font cette erreur. Ils vont au rayon alimentaire, ils vont acheter du sel. Ce n'est pas ce sel-là. Ce sel-là n'est pas assez suffisant. Pourquoi? Il était tout simplement raffiné. Il n'est pas naturel. Quand je parle de sel, je parle le sel GEME, G-E-2-M-E. Pourquoi? Parce que le sel provient de la roche. Tout le monde va dire, oui, c'est la mer. Il y a aussi le sel de mer, mais à l'époque de la préhistoire, c'était le sel qui prenait dans la roche, dans les profondeurs des rochers. Donc, on appelle le sel gemme. C'est un sel qui est un petit peu gros comme des cailloux. Et ce sel gemme-là, c'est un sel qui a une très grosse teneur en magnésium, en oligo-éléments et en fer. Et c'est pour ça qu'on dit que le sel purifie le champ magnétique. Et c'est la raison pour laquelle il est très puissant et il est idéal pour
conservé. À l'époque de l'Égypte pharaonique, c'était les grands notables, c'était les personnes riches qu'on embaumait avec du sel pour conserver les corps. Parce que le sel purifie les champs magnétiques, parce qu'il contient du magnésium. Et n'oubliez pas que notre corps est un champ électromagnétique. Vous voyez? Donc, il faut utiliser du sel gemme ou du sel naturel de mer. Donc, souvent, vous voyez du sel qui a été ramassé à la main. Nous avons la chance en Haïti, le sel de mer est complètement naturel. La plupart du sel qu'on utilise, même au niveau alimentaire, c'est du sel non raffiné. Donc, maintenez bien en tête qu'il faut utiliser du sel non raffiné. Le sel gemme, sel de Guérande, fleur de sel ou du sel de mer ramassé à la main. C'était tout pour cette édition de Cherchez qu'on est. N'oubliez pas, le sel, c'est un allié puissant, qui veut dire toutes les personnes qui sont dans la spiritualité, dans l'ésotérisme, on ne peut pas manquer de sel chez nous. Je ne vais pas dire le gros sel iodé. Non, le sel iodé n'est pas bon pour les rituels. Il n'est pas bon pour les bains. On parle du sel gemme. On parle du sel de mer naturel parce que, je le répète, il est très fort en magnésium, en oligo-éléments et en fer. Aïe Bobo, merci. Aïe Bobo, commencez l'année en beauté en mettant toutes les chances de votre côté. Rejetez et éloignez toutes les mauvaises énergies de l'année 2020 pour attirer toutes les bonnes pour l'année 2021. Et pour ce faire, moi, Rosemi Mambo Asogui, je vous propose un package nouvelle année qui comprend un bain de purification, une prière spéciale, un bain chance et une bougie consacrée. Les produits sont naturels, des bains de qualité, une magie de qualité. Tous les bains sont faits uniquement sur commande et faits en fonction de votre étoile et de votre cycle lunaire. Un prix unique, le package est à 237 € hors frais d'envoi pour ceux qui désirent la livraison. Vous pouvez me joindre pour commander vos paquets au 07 53 90 92 10. Vous pouvez également m'envoyer un message sur WhatsApp à ce même numéro. À bientôt. Aïe Bobo, on revient sur Minocan. Donc avant de continuer la dernière partie de notre émission, je tiens tout d'abord à remercier Estella Jewelry pour les bijoux qu'elle me prête. Et c'est grâce à ces bijoux que j'arrive à me faire belle à chaque émission. Alors Estella Jewelry, merci. À son numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Pour ceux qui ont du mal à voir, je vous le réciter. Le 07 53 67 51 97. Elle sublime hommes et femmes avec des bijoux ethniques. Merci Estella, je te fais un gros bisou. On revient tout de suite avec notre émission, donc émission parcours. J'ai quitté l'église pour le vaudou avec Natacha Félix, Joaquin Baguidi qui nous raconte à tous le récit de leur parcours atypique qui est aussi le parcours de beaucoup d'entre vous. Beaucoup d'entre vous se posent des questions, beaucoup d'entre vous ont déjà quitté l'église mais ont peur d'entrer dans le vaudou. C'est pour ça que j'ai invité ces deux personnes-là que je connaissais au préalable et je sais que leur parcours est édifiant et aussi peut vous édifier. Donc, ils ont un petit peu parlé comment ils ont quitté l'église, pourquoi ils ont quitté l'église, pourquoi ils ont commencé, pourquoi et comment ils ont commencé à s'intéresser à leur identité, à leur spiritualité ancestrale, leur spiritualité endogène. Maintenant, je vais parler avec eux de leur spiritualité aujourd'hui. Comment vivent-ils leur spiritualité? Donc, Natacha, comment vis-tu ta spiritualité? Parle-moi un petit peu de l'acceptation de ta famille, de ta mère qui n'est pas vaudouisante, dont je pense que ton père, il doit être content. Mais ta mère, tes cousins, cousines qui ne sont pas dans le vaudou, tes amis, tes frères et sœurs de l'église, ton compagnon qui est là. Coucou, monsieur le compagnon. Explique-nous. Est-ce que ça... J'ai plein de questions à te poser. Fais vite. Vas-y, parce que j'ai des questions. Je t'écoute. Ben alors, personne n'est informé. Ils vont tous le savoir quand ils vont regarder la vidéo. Et okay. Ouais. Et comment ça se fait qu'ils n'ont jamais été informés? Parce que la honte. C'est pas la meilleure manière que tu as choisi pour leur dire. Non, c'est que j'ai pris. J'ai tellement marché la tête baissée pendant très longtemps. La honte, c'est quelque chose qui peut t'enterrer. J'avais tellement honte d'être. D'être vaudouisante? D'être vaudouisante. Mais parce... pourtant, tu m'as dit que les esprits sont venus se présenter à toi. Et malgré ça, tu avais quand même honte. Alors, justement, parce qu'il y a eu le parcours, ils se sont présentés, je me suis acceptée, déjà à m'accepter dans mon intimité, parce que pour moi, c'est quelque chose... Le vaudou, c'est pas une religion, mais c'est une façon de vivre. Okay. Et j'avais l'impression, et c'est même pas j'ai l'impression, je vis le vaudou tous les jours à travers mes actes, à travers ma personne, à travers ce que je fais.
Parce que pour moi, le voodoo, c'est l'amour, c'est la solidarité. Mais tu en avais honte malgré tout. Mais j'avais honte par rapport au jugement, peur qu'on me juge. Parce que pour beaucoup de personnes, le voodoo, c'est ce qu'ils voient à la télé. C'est le mal, c'est des choses horribles. Et j'avais honte parce que j'ai passé mon temps à l'église. Et ma mère, je sais qu'elle le sait parce que mon fils lui a dit. Mon fils est le premier à... Maman, il faut jeter de l'eau. Et donc, ta mère a dit quoi quand ton fils lui a dit? Lorsque mon fils m'a dit, maman, j'ai dit à mamie que tu étais vaudouisante, comme papy. Parce que c'est mon fils qui m'a donné la force. Wonderful. C'est mon fils qui m'a donné la force. Parce que mon fils, on est parti à un musée. C'était un musée sur les chamans, pas mal de trucs sur l'Afrique. Mm-hmm. Et que je lui dis à mon fils, tu sais ce que ça veut dire chaman? On était à Cannes. Et que mon fils m'a dit, oui, maman, mais s'il te plaît, ne dis pas, papa, que je te l'ai dit. Je dis, oui, mais c'est quoi chaman, mon fils? Il m'a dit, c'est le mal, c'est comme papy. Et c'est là, en fait, c'est lui vraiment qui m'a réveillée. J'ai dit, non, il faut que je fasse l'éducation de mon fils, parce que moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Donc, c'est mon fils, après, je lui ai parlé de son papy. Ok, et maintenant, on ne va pas s'écarter, parce qu'on n'a pas plus de temps. Donc, ma famille, ils ne sont pas... Personne n'est au courant. Les gens de l'église, enfin, tu n'allais plus à l'église, mais tu n'avais plus de contact avec les gens de l'église. Les Guinéens, ils ont bien fait les choses. Ils m'ont écarté de tout le monde. Ils m'ont écarté un à un. Tu n'as plus aucune affinité avec personne de l'église. Plus d'affinité, plus personne autour de moi. Ça a été en chute. Mon parcours a été très Les gens qui te connaissaient, donc tu avais des amis en dehors de l'église. Oui. Ces amis-là, ils savent que tu es vaudouisante? Non. Donc, quand ils verront l'émission, est-ce que tu crains leur non. réaction? Non, non, c'est pour ça que lorsque je t'ai envoyé le message, je t'ai dit je suis prête. D'accord. Et le compagnon? Ben, c'est grâce à lui. C'est lui justement qui... parce que mon compagnon, lorsqu'on discutait, je lui parlais de mes peurs, de mes craintes. Et il m'a dit, mais Natacha, tu es animiste. Parce que j'osais même pas lui dire le mot vaudou. Je lui parlais de la nature, la terre, l'air... T'avais du mal à dire, je suis vaudouisante. Voilà. Et il m'a dit, tu es animiste. Et quand j'ai fait des recherches sur animiste, j'ai vu que c'est comme le vaudou. Oui, c'est la même chose. Et après, il m'a dit, mais tu es comme tu es, c'est ta culture. Chaque pays a sa culture, donc si tu refuses ta culture, je te refuse toi. Et c'est là que ça a commencé, avec lui, le cheminement. Et on a commencé à... Et lui, il est vaudouisant? Ah non, lui, il était complètement athée. Maintenant, il me dit, je commence à avoir des doutes. Non, lui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, quand tu sers les lois, quand tu es dans le vaudou, c'est dur de trouver quelqu'un parce que les gens n'aiment pas ça. Donc toi, tu as trouvé quelqu'un, c'est même lui qui t'a aidé à t'accepter. C'est lui qui m'a vraiment, parce que j'avais beaucoup prié pour que le divin m'envoie quelqu'un. Il m'envoyait plusieurs personnes. En Haïti, il m'envoyait un monsieur très sympathique. Après, en France, arrivé en France, il t'a envoyé toi, qui m'a accordé tout ton après-midi. Là encore, j'avais peur parce que j'avais mes soeurs, mes frères qui sont mon bourg. J'ai mon frère Lionel Félix. Ougan, j'ai ma sœur Olège, Félix. Donc Mambo, malgré que t'as des frères et sœurs qui sont dans le vaudou, t'avais quand même honte. En fait. J'avais honte. Parce que du côté des Félix, ça allait, mais j'avais honte. J'avais très honte parce que j'ai grandi. J'avais très très honte. Et c'est mon conjoint qui m'a dit non, non. D'accord. Et comment tu vis ta spiritualité aujourd'hui? Alors aujourd'hui. Est-ce que tu es initiée, Natacha? Non, je ne suis pas. Est-ce que tu comptes te faire initier? Bah, pour l'instant, ce qui se passe, c'est que tout se passe dans mon sommeil. C'est pas ma question. Non, mais je ne sais pas. Bon, en fait, je ne... Qu'est-ce que ton père te dit? En fait, il m'a dit que de son vivant, je sais qu'il m'a dit tant que je suis vivant, profite de moi. Ne me laisse pas partir. Ok, ça répond pas à ma question, Natacha. Mais c'est tout ce qu'il m'a dit. Je lui ai posé la question. Est-ce que tu comptes te faire initier? Il m'a dit... Est-ce que ton père te dit que tu dois te faire initier? Non, l'enseignement. Si l'initiation, c'est l'enseignement, oui. Il m'a dit que oui, il y a des choses qu'il peut m'expliquer. D'accord. Qu'il faudrait que j'aille en Haïti pour qu'il m'explique. Mais il m'a dit que je suis... Aucun rituel, aucun rite qu'il doit faire avec toi avant que... Je pense que tout ça a été fait quand j'étais petite et que j'ai perdu la connaissance. D'accord. Non, je sais pas. Il m'a dit non que... Parce qu'en fait, sincèrement, c'est que depuis le jour que j'ai ouvert ma bouche pour dire oui, j'accepte, je suis vaudouisante, tout se passe dans mon sommeil. D'accord. Donc, il y a plus... Après, j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'il y avait plusieurs façons. Il y avait plusieurs manières d'être vaudouisante, de pratiquer le vaudou. J'ai eu l'enseignement sur la coude dans mon sommeil. J'ai eu l'enseignement de l'amour de l'autre, de le vaudou. J'ai une façon de voir le vaudou. C'est vrai que tout le monde ne voit pas comme ça. Mais bien sûr, c'est ta connexion. Heureusement, mais c'est ma connexion personnelle. Et je ne pense pas que je m'initie un jour parce que l'initiation se fait aussi dans le sommeil. Donc oui, tout se fait dans mon sommeil. D'accord, très bien. Voilà. Donc aujourd'hui, tu es en paix avec toi-même. Ouais. Tu es tellement en paix que tu dis aux gens,
Tu annonces à tous ceux qui te connaissent, je suis vaudouisante. Je suis comme je suis, acceptez-moi comme je suis. Voilà. Donc de ce coup, de ce fait, tu as fermé la page de l'église. J'ai fermé la page de l'église, oui. D'accord, très bien. Joaquin, comment vis-tu ta spiritualité aujourd'hui? Le fait que tu t'intéresses au vaudou, ta famille, tes amis, les anciens frères et sœurs de l'église, du groupe multimédia dont tu faisais partie, explique-nous, explique aux téléspectateurs. Tout à l'heure, elle a donné un passage biblique qu'on a dit que mon peuple meurt faute de connaissances. Dès lors où j'ai commencé, à prendre à plein de bras la connaissance, sincèrement, tout ce que les autres pouvaient penser, je n'avais rien à faire. Okay. Donc, j'ai toujours assumé parce que, ce qui m'a aidé à assumer, c'est le fait de pouvoir, quand on me prenait pour un extraterrestre dans ma famille, c'est-à-dire aux yeux de mes frères et sœurs, j'avais mon frère qui, lui, prêchait à l'église. Et donc, souvent, on avait des discussions. Et comme dans les discussions, je sais que des fois, il avait besoin de voir... il voulait essayer de me... Je dis pas que c'était le but, mais il voulait avoir mon point de vue. Et comme il voyait que mon point de vue, j'avais toujours, des réponses, mais dans ce que lui, les questions qu'il me posait, j'avais toujours des réponses. Et j'avais peut-être des réponses, des fois même un peu plus profondes que lui. Et jusqu'à que lui-même, après, a fait plus ou moins le même processus que moi. Et moi, pour l'instant, je l'assume pleinement, même sur Facebook, je l'affiche. Oui, mais par rapport à... Oui, toi, tu l'assumes. Mais quelle a été la réaction de ton entourage, en fait? Moi, c'est ce que j'ai besoin de savoir. Est-ce que Natacha a dit qu'elle avait honte par rapport à sa famille? Donc, tu n'avais pas honte. Mais quelle est... Bon, là, elle a dit que c'est aujourd'hui qu'elle a annoncé à sa famille et amis. Donc, c'est après qu'elle verra les conséquences. Mais toi, de ton côté, quand tu as commencé ton cheminement autour du vaudou, tu as dit que tu es dans un groupe où tu apprends les fondamentaux, comment réagit ta famille, tes anciens frères et sœurs de l'église, tous les gens qui savaient que tu allais à l'église, etc.? Bon, les gens avec qui, dès lors où j'avais déjà quitté l'église, forcément, j'avais déjà coupé contact avec plusieurs. Donc... Pourquoi tu as coupé le contact? Non, c'est même pas que j'ai coupé le contact, ça s'est fait limite naturellement. Parce que dès lors où je venais pas, on m'appelait pas systématiquement pour dire ouais, frère Joaquin, t'es où, tu fais quoi. Non, c'était juste Joaquin, on te voit plus, ouais, je suis là, tranquille. et rien de plus, ça a pas. C'est vraiment les personnes avec qui je suis resté, réellement proche dans mon processus, c'était vraiment mes frères et sœurs. Et eux, comment ils ont accepté ta décision? Au début, je pense beaucoup ont peur maintenant de moi. et sinon, je sais qu'il y en a... je sais que la décision que j'ai prise, je sais que dans mes frères et sœurs, cousins, cousines, et peut-être proches, même peut-être amis et tout, je sais que j'ai ramené des questionnements. Donc je sais que beaucoup se posent des questions, mais sûrement ont peur parce que on leur a lavé le cerveau sur ce mensonge de ce qu'ils sont. Voilà. D'accord. Et au niveau de tes parents? Alors au niveau de ma mère, c'est vrai que c'est sûr que ça l'a fait mal parce que elle a ses amis, son entourage. Et c'est vrai que moi, il y a des petites choses, par exemple, qu'elle a dites à mes enfants qui font mal, en fait. Que oui, votre père, il est dans le vaudou. En plus, la compagne avec qui il est, elle est mambo. Donc, ils doivent boire du sang tous les deux. Alors, le jour où j'ai entendu que ma fille m'a dit ça, franchement, ça m'a fait mal. Et en même temps, mis en colère, mais sans la colère démesurée, c'est vraiment... Je me suis dit, comment agir intelligemment pour que... pour qu'un jour, elle puisse prendre conscience de la portée de ces mots, surtout à mes enfants. Et sachant que moi-même, je suis... pour pas trop raconter ma vie,
Voilà, j'ai la garde de mes enfants quasiment depuis le début de mon divorce. Et je sais que mon ex-femme utilise ça maintenant pour essayer de récupérer, on va dire, la garde de ma fille. Donc, comment tu vis ta spiritualité aujourd'hui? Alors, comment je la vis? Parce que ça change, je suppose, ça change de l'église. Oui, Comment vis-tu ta spiritualité aujourd'hui? Bon, comment je la vis? Est-ce que tu te considères déjà comme vaudouisant? Ah oui, absolument. Dès lors où j'ai pris conscience. Tu dis plus je suis chrétien. Ah non, moi j'ai toujours. D'accord. Moi j'ai assumé vraiment pleinement. Je suis vaudouisant. Okay. Je pratique le vaudou. En plus, ma compagne c'est Mambo. Donc non, je suis fier de. Même à mon boulot, limite, j'en parle quoi. D'accord. J'en parle à mes collègues noirs, bien sûr, pour leur faire prendre conscience que je les incite pas dans le vaudou, mais je les incite à ouvrir leur esprit, à chercher un peu plus, parce que ne serait-ce, comme je disais tout à l'heure, si on s'intéresse à l'histoire, déjà, comment s'est créée la Bible, à quel moment, à quelle période, le pourquoi, comment, sachant que il y avait les guerres des religions, que les guerres des religions c'était, on va dire, les religions, c'était le. C'est comme si c'était la monnaie commerciale avec laquelle on pouvait commercer. Une question. Oui. Tu te sens bien dans le vaudou? Par rapport. Là, je ne parle pas. Est-ce que tu te sens bien dans le vaudou? Point. Par rapport à votre vie. Donc, c'est une question qui sera aussi pour toi, Natacha. Par rapport à votre vie en tant que chrétien, vous allez à l'église. Bon, l'église, c'est une atmosphère, c'est un égrégore propre à lui-même. Maintenant, vous êtes dans le vaudou. Est-ce que tu te sens bien dans le vaudou, dans le concept vaudou, la vie de vaudouisant, tous les paradigmes qui sont autour du vaudou? Oui et non. Ok. Pourquoi oui, pourquoi non? Alors, pourquoi oui? Parce que pour moi, le fait juste tout simplement d'être sur le chemin de ma reconnexion à mon identité, mon histoire, mes mœurs et coutumes, déjà, c'est déjà une très forte acceptation de pouvoir faire un nettoyage de l'aliénation. Okay. Et le côté non, c'est parce que le processus n'est pas facile. N'est pas facile sur quel point? Parce qu'il y a un travail sur soi. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très cartésien. Le fait de vouloir trop comprendre, de vouloir trop maîtriser mon environnement, je sais que ça me porte un peu préjudice. Et je sais que, le fait d'avoir, comme je disais tout à l'heure, avoir étudié que le corps a des points stratégiques, et sont, enfin, stratégiques sur lesquels il fonctionne, et je sais que j'ai des points énergétiques à travailler. Et c'est sur ça, en fait, que je travaille. Et je sais que pour l'instant, ça me peine, parce que j'ai envie de passer à une autre étape. Il y a deux semaines, j'avais reçu le frère Egunchi Beanza, que je salue d'ailleurs, qui avait dit, quand on veut faire un pas vers sa spiritualité ancestrale, l'un des conseils qu'il a donné aux téléspectateurs, c'est bien d'apprendre, c'est bien de lire, mais il ne faut pas trop se poser de questions. Est-ce que tu es d'accord avec ce conseil? Oui, absolument. Il y a le lâcher prise. Et justement, depuis, on va dire, quelques temps, enfin, je l'entendais souvent, j'ai toujours appris. Depuis j'ai commencé, à faire mes recherches, que le lâcher prise, c'était quelque chose de primordial. Que si on ne lâche pas prise, évidemment qu'il est difficile de se connecter à l'univers, de se connecter à ce à quoi nous sommes, à se connecter en fait à tout ce qui nous est dû et tout ce qui nous a été retiré ou volé. Et moi, je sais que je suis dans ce combat de lâcher prise, de pouvoir comprendre et de lâcher prise, donc, tout simplement. C'est le côté non qui t'empêche d'être totalement... Voilà, voilà. Et toi, Natacha, est-ce que tu te sens bien dans le vaudou? Je pense que c'est différent par rapport à toi, parce que moi, je ne suis pas du tout rigoureux, je n'aime pas être dans des cases, tout ça. Okay. Donc, oui, parce que je suis en paix avec moi-même. D'accord. Je suis en paix, mais par contre... Est-ce que tu te poses beaucoup de questions? Est-ce que c'est un petit peu comme Joaquin, tu te poses beaucoup de questions et ça t'empêche... Ou est-ce que tu te posais beaucoup de questions? Oui, je me posais énormément de questions. Je me posais beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Mais là, du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai lâché prise
Et puis, on dirait que pour les femmes, c'est un peu plus facile, le lâcher prise. Non, j'ai lâché prise à partir du moment où ils se sont présentés et que je savais que je n'allais pas faire des choses horribles. Parce que ma plus grande peur, c'est de faire des choses horribles. D'accord. Donc, du coup, non, c'est que... Je ne sais pas si c'est une chance, mais je bois l'enseignement quand je dors. Parfois, je peux rester une semaine, trois semaines sans prier. Et que quand il faut que je prie, ben, ils vont me le dire, prie. D'accord. Lève-toi, il faut que tu pries là. Ou lève-toi, il faut que tu fasses telle chose. Lève-toi. Parfois, je le fais parce que c'est pas. Tu allumes quand même des bougies, tu fais des lampes chez toi? Oui, mais ça, j'ai fait une fois et parce qu'elle me l'avait demandé. Mmh. Elle le demande et elle dit quoi mettre sur la table. Petit à petit. D'accord. Il y a là-bas, je pars bien sûr me renseigner, je prends des notes. Et puis la personne qui m'a enseigné, elle me dit écoute, tu mets le truc basique. T'inquiète pas, ils vont venir. Donc, en fait, je suis guidée tous les jours, toutes les semaines. Ouais, t'es guidée au fur et à mesure. Au fur et à mesure. D'accord. Donc, du coup, je n'ai pas de pratique, je n'allume pas les bougies tous les jours, je ne prie pas tous les jours. D'accord. Est-ce que je peux dire une petite chose? Si tu peux. Vite fait. Vas-y. C'est vraiment comme tu as dit, que le fait d'être une femme et le fait, moi, d'avoir pris conscience de ce qu'est la femme... Parce que c'est vrai que les religions, en fait, ne parlent pas de la femme, en fait, mais la femme la positionne plus qu'en arrière. Et que quand on étudie ce qu'est la femme et qu'on comprend pourquoi la femme elle a cette connexion beaucoup plus facile, beaucoup plus... parce que tout simplement, c'est elle qui mène la vie. Et c'est vrai que quelque part, moi, j'envie les femmes de fait d'avoir ce lâcher prise facile. Et que et je sais que dans la vie de beaucoup d'hommes, avoir une femme qui a cette connectivité facile, eh ben ça peut leur permettre aussi de pouvoir mieux, enfin de pouvoir recevoir sans trop. Ah bon? Non. Voilà. Alors c'était pas facile, hein, c'est de mes 13 ans jusqu'à mes 38 ans. Ça a fait du chemin. Non, je sais que c'est pas facile. Non, parce que en fait toi c'est pas la même chose. Toi tu n'aimais pas le vaudou. Mais à partir du moment où tu as, comme tu as expliqué, à partir du moment où tu as vu le vaudou sous un autre angle, ça s'est fait facilement. Ah oui, moi, je suis comme ça, moi. Voilà. Mais au début, c'est que tu n'aimais pas. Donc, quand on n'aime pas, la connexion ne peut pas se faire. Hein. Voilà. Mais à partir du moment que tu as vu le vaudou, ah, finalement, c'est pas si mal que ça. Eh bien là, tout s'est enchaîné très vite. Mais avant, je suis quand même partie faire des recherches au niveau de mes ancêtres. C'est l'esclavage où j'ai coupé mes cheveux, où tout est crépu. Oui. Oh, oui, là, tu étais dans la recherche identitaire. Exactement. Il y a eu tout en... On va continuer parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. C'est vrai que je vais vous demander en quoi la spiritualité vaudou est-elle importante pour l'avancement de la communauté noire. Mais en même temps, vous allez me répondre à cette question. On arrive en période de fête de fin d'année. Ok, Noël bientôt dans 2 semaines. Maintenant, vous dites que vous n'êtes plus des chrétiens. Est-ce que vous fêtez Noël? Vous allez répondre avec cette question, en quoi la spiritualité vaudou est-elle importante pour l'avancement de notre communauté? Est-ce que vous fêtez Noël? Est-ce que tu offres des cadeaux à tes enfants, sapin, tout ça, pareil pour Joaquin? Est-ce que vous fêtez en famille? Quelle est votre philosophie par rapport à Noël? Je ne veux pas donner mon opinion, parce que j'essaye de rester neutre et j'essaye de laisser les invités s'exprimer à leur guise. Natacha. Alors oui, je fête Noël. Je ne suis pas attachée à Noël. Mon fils sait très bien que le Père Noël n'existe pas. Mais je me dis que je vis dans une société. Je ne suis pas trop attachée non plus à la religion. Parce que pour moi, la religion, c'est quelque chose que l'homme a créé. Je ne considère pas le vaudou comme une religion. Pour moi, c'est une philosophie de vie. C'est une façon de vivre. Donc oui, je fête Noël. Oui, je donne des cadeaux à mon enfant. D'accord. Donc si tu es en famille, tu fêtes en famille. Exactement, oui. D'accord. Et en quoi la spiritualité vaudou est-elle importante? Si elle est importante déjà pour toi. La spiritualité vaudou, pour la communauté noire parce que c'est moi j'ai pas une grande connaissance sur ça. Je suis pas encore arrivée à ce. D'accord. Là tu t'essaies de te focaliser sur toi d'abord. Voilà, quand je connais pas, je suis un bébé spirituel. D'accord. Là ils m'ont pas encore enseigné ça. D'accord. Mais par contre je sais en quoi c'est important parce que c'est au niveau de nos ancêtres. Moi à la base, avant de faire le cheminement en Haïti. Je suis partie à travers Internet en Afrique. Donc, les ancêtres, je sais que chaque date correspond à quelque chose, mais Noël, ça m'étonnerait que mes ancêtres fêtent Noël. Donc, est-ce que vous voulez vaudou, ils ont fêté Noël? J'ai aucune réponse. Mais je sais que mon père fait la prière depuis, pendant quel mois là? Novembre, octobre, jusqu'au 6 janvier, les tambours. Ça, c'est en Haïti. Oui,
D'accord. Donc maintenant, comment on appelle ça? Je ne sais pas. D'accord. Joaquin, fais-tu Noël? Non. Alors déjà, dans les églises évangéliques, Noël est considéré... Alors c'est aussi, c'est un peu un... On va dire un combat, parce que certaines églises chrétiennes fêtent Noël et d'autres disent totalement que c'est une fête païenne, fête limite satanique et tout. Voilà. Mais sinon, moi, quand j'ai pris conscience de tout ça, non, effectivement, non. Déjà, quand j'allais dans l'église dans laquelle j'allais, ils nous disaient clairement que Noël, c'était une fête païenne. Donc, on ne fêtait pas Noël. Mais c'est vrai que l'engouement de, on va dire, du pays dans lequel nous sommes, bah oui, c'est une fête populaire. Voilà, donc tout ce qui était réunion de famille, repas de famille, et puis cadeaux pour les enfants, donc on se laissait emporter, on va dire, par ce système, en fait. Mais, comme on dit, prendre le bon dans le mauvais. Voilà, mais en vérité, il faut savoir se nettoyer de tout ça. Mmh. Et c'est vrai que depuis quelques temps, depuis quelques années, je ne fêtais pas spécialement Noël. Et là, en l'occurrence... je cherche à ne vraiment plus du tout le fêter, mais que dans les fêtes, enfin, dans le vaudou, il y a aussi nos fêtes qui correspondent à cette période. Exactement. Moi, ce que je dis personnellement, moi, je ne fête plus Noël parce que c'est vrai que certains chrétiens disent que Noël est une fête païenne parce que elle a tiré ses racines d'une fête païenne. Mais les chrétiens fêtent Noël, ils fêtent Natalis. Natalis en latin veut dire la natalité, la naissance. Ils symbolisent par l'acte de Noël la naissance de ce qu'ils appellent le Messie, la naissance de Jésus-Christ. Voilà. Et donc, voilà qu'est-ce que ça symbolise. Maintenant, ils l'ont posé, donc le Constantin, qui est le pape qui a instauré cette fête, a mis comme date la période du solstice. Donc, c'est la Renaissance. Et c'est là qu'on fêtait le Sol Invictus, qui était la divinité tutélaire d'un empereur, d'un ancien empereur. Voilà. Et donc, du coup... Voilà pourquoi on dit que Noël est une fête païenne. Et pendant le Sol Invictus, il y avait des fêtes, il y avait des jeux, il y avait des offrandes, il y avait des sacrifices. Et tout le monde avait son arbre qui décorait, qui déposait les offrandes. Et quand on regarde Noël aujourd'hui, on a l'arbre qui symbolise un petit peu cette la divinité. On a les offrandes qui sont les cadeaux. On a l'autel qui est la table. Bien mise avec les nappes, les bougies, les repas. C'est l'autel. Et toute la famille réunie autour de la table forme l'égrégore. Donc voilà pourquoi, quand on s'intéresse à notre histoire, quand on s'intéresse aux racines des choses, on comprend que quand on fête Noël, on renforce un égrégore. Un égrégore qui n'est pas le nôtre. Comme dit Natacha, oui, c'est le bon dans le mauvais. Mais et notre égrégore à nous? Quand est-ce que nous allons le renforcer? Nous avons nos fêtes, nous avons Makaya, nous avons plein de fêtes que nous ne fêtons pas pour fêter les fêtes, entre guillemets, chrétiennes ou judéo-chrétiennes, telles que la Pâque, l'Assomption, la Pentecôte et Noël. On peut ne pas aller à l'église, mais le simple fait de dire « Joyeuse Pâque », on renforce un égrégore. Le simple fait de dire « Joyeux Noël », ça veut dire « Joyeux Natalis »,« Joyeuse Natalité ». On renforce un égrégore. Donc, par mesure de politesse et par diplomatie, je dis bonne fête de fin d'année, mais je ne suis pas, moi, pas dans bagaille Noël, ça. On va terminer l'émission avec le mot de la fin. Dans le mot de la fin, j'aimerais que vous expliquiez aux téléspectateurs, Natacha et Joaquin, que vous expliquiez aux téléspectateurs comment vaincre cette peur du vaudou. Toutes ces personnes qui sont comme vous, peut-être qui ont dépassé l'étape d'arrêter d'aller à l'église, mais qui ont encore cette crainte du vaudou qui les paralyse. Expliquez-leur comment vaincre cette peur du vaudou et vous intégrez aussi également votre mot de la fin. Et aussi la peur du regard des autres. Donc la peur du vaudou, la peur du regard des autres, et vous mettez votre mot de la fin. Natacha, honneur aux femmes. Pour vaincre cette peur, moi je sais que je vais parler de ce que je sais, donc c'est mon expérience personnelle. C'est déjà de s'accepter soi-même et accepter sa culture. Parce qu'à partir du moment qu'on rejette sa culture, c'est on rejette sa personne. Chaque pays a sa culture, chaque pays a sa façon de faire, chaque pays a son histoire. Et je vis en France. La France a son histoire et la France a son égrégore. Et je suis une haïtienne qui vit dans un pays étranger, donc j'ai mon histoire qui est plantée ailleurs. Donc le jour que j'ai dit oui, d'accord, je sais qui je suis, c'est après plusieurs recherches. Donc n'hésitez pas à chercher qui vous êtes.
N'hésitez pas à connaître votre identité. Arrêtez de manger tout ce qu'on vous donne sans connaître la provenance. Arrêtez de croire, d'écouter tout ce qu'on vous dit parce que nous, les afrodescendants, nous avons une histoire très, très, très riche. Et malheureusement, l'école ne nous enseigne pas notre histoire comme ils devraient l'enseigner. Ils n'enseignent pas l'histoire d'Haïti, qui est une très belle histoire, une histoire très riche. C'est quand même Haïti qui a ouvert la porte de l'indépendance, Haïti quand même qui a cassé les chaînes. Et aujourd'hui, on est en train de dire qu'on a honte de notre culture. Donc, je trouve ça vraiment triste et que j'espère qu'un jour, on va tous ouvrir les yeux et qu'on va être fiers de ce qu'on est. Et ce qu'on est, c'est que nous sommes des vaudouisants de fait. Voilà. C'est le mot de la fin? C'est le mot de la fin. Allez, Bobo. Joaquin? Pour pas trop jouer les politiciens. Non, je dirais tout simplement que la connaissance libère, tout simplement. Et que, effectivement, nous sommes des déracinés, des aliénés. Il faut comprendre, il y a des processus qu'il faut pouvoir comprendre. Comme je disais au début de mon histoire, c'est déjà de comprendre la Bible, parce que beaucoup de croyants ne cherchent pas, parce qu'ils restent croyants, parce que pour moi, un croyant, c'est tout simplement une personne qui croit ce qu'on lui dit. Et un sachant, bah, c'est quelqu'un qui va chercher. Et que plus il cherche et plus il sait, et plus il sait, et plus il est libre. Et donc, forcément, pour ceux qui, beaucoup sont manipulés parce qu'ils ne savent pas. Et donc, du coup, et surtout, ont peur parce que tout ce qui est enfer, paradis, c'est des choses qui nous ont été inculquées par les religions, que c'est des choses qui n'existent pas, que moi j'ai pu comprendre que ça n'existe pas. Et que j'invite tous les croyants à chercher, surtout d'arrêter d'être croyants, tout simplement. Que moi, je sais que j'en choquais plus d'un quand je disais que je crois pas en Jésus, je crois pas en l'enfer. Et limite, je pouvais même me faire appeler Lucifer. J'étais content parce que pour moi, je suis un être de lumière. Il faut comprendre que le mot et le principe du mot Lucifer, c'est être de lumière. Donc, je suis un être de lumière. Donc, pour ceux qui ça dérangerait, ouais, je suis un luciférien. Non, pas luciférien, mais un lucifer. Non, j'ai compris, voilà. Mais tu sais, pour les gens, ils entendent ce mot-là. Ça ouais, été... je sais. Mais justement, c'est pour montrer en fait, c'est un peu ce côté taquin que je suis un peu pour inciter en fait les gens à comprendre. Tout comme le mot égrégore, par exemple, j'ai mis des années pour réellement comprendre la profondeur de ce mot-là, et que évidemment que on vit dans un système qui est tout ce dans quoi on vit est ésotérique, et tous ceux qui contrôlent, on va dire, ou qui sont à la tête de ce système connaissent les principes et les maîtrisent. Voilà, et que croyant, c'est pour ça que être croyant, c'est tout simplement être un esclave de l'esprit. Et que dès lors où on cherche à comprendre et connaître, c'est pas chercher genre le diable, rien n'est satanique, c'est au contraire, faut s'ouvrir. Et que par rapport au vaudou, moi je parlerais plutôt à surtout le vaudou haïtien, que le vaudou haïtien n'est pas spécialement que haïtien, il est aussi caribéen. Donc je parle aussi à la Guadeloupe, Martinique, Sainte-Lucie, enfin toutes les îles, Cuba, tout ça, Jamaïque. En fait, c'est ce qui nous relie et c'est ce qui nous... c'est comme si c'est l'Afrique déportée dans les îles. Parce qu'il faut savoir que tout Antillais, tout, quand je dis Antillais, que ce soit les grandes Antilles ou les petites Antilles, à la base, sur ces îles-là, il n'y avait pas d'Africains. Il n'y avait que des Arawaks, des Caribéens, les autochtones en fait, et que nous sommes juste des déportés. Donc il faut comprendre que on nous a mis là et on est venu avec une histoire, et que le vaudou a permis, c'est-à-dire ça a été un rassemblement, le rassemblement d'un peuple, on va dire, qui a été dispatché. Et qui ont su se rassembler à un moment précis, parce que faut pas l'oublier que dans le vaudou haïtien, même dans la révolution haïtienne, les autres îles aussi ont fait partie de ce mouvement de réveil.
qui a pris aujourd'hui un certain temps, mais qui aujourd'hui renaît, parce que bah, évidemment qu'on ne se bat pas contre la chair et le sang, c'est contre les esprits et les principautés. Donc dès lors où on comprend, on va dire, tous ces mécanismes, parce qu'on sait que même la politique fonctionne avec de l'ésotérisme, avec les images, c'est pour ça que chez nous, nous avons la télé, parce que ça a forcément un impact sur notre conscient, notre subconscient. Et moi, je dis tout simplement au peuple noir, voilà, prenez la peine d'apprendre, parce qu'on nous a tellement enfantilisés que, comme un enfant, quand on lui dit d'apprendre, ça l'embête d'apprendre. Limite, il préfère jouer. Et c'est vrai qu'on regarde, malheureusement, le noir, bah, c'est la danse, la musique et, entre guillemets, caricatural, les femmes. Et donc, si on sortait un peu de tout ça, évidemment qu'on reprendrait, on va dire, tout simplement, nous respecterait dans la société et on commencerait à prendre une place dans le monde et qu'on arrêterait de se faire marcher dessus depuis déjà plusieurs siècles. Donc moi, je dirais tout simplement, réveillez-vous, sortez de vos croyances, ouvrez les yeux, allez apprendre. C'est pas facile, mais il faut apprendre. Comme disait mon père, pour connaître, il faut connaître. Donc voilà, c'est tout ce que je dirais. Aïe Bobo, donc comme tu dis, pour connaître, il faut connaître. Et je vois que tu as bien appris dans le groupe WhatsApp de la classe virtuelle. C'est un peu pour censer des fleurs. Je peux inviter les gens, si tu veux. Vas-y, à toi l'antenne, il reste une minute. Après, on nous coupe l'électricité. Donc voilà. Alors oui, il faut comprendre que... bon, j'avais pas mal de choses dont moi j'avais découvert, mais il faut savoir que la personne qui m'a permis de me reconnecter... et je suis toujours dans ce cheminement, bah, c'est mon beau Rosmi, car là, une classe virtuelle dans laquelle, moi, ça fait 2 ans que j'y suis et que j'apprends à me ressourcer, à me reconnecter à mon histoire, à mon identité, on va dire, bah, tout ce qui, à mon ADN même. Et bah, je remercierai jamais autant mon beau Rosmi. Et que je pense que la plupart des personnes qui sont dans le groupe, et ce qui est bien dans le groupe, c'est que quelque part, elle fait aussi un bois caïman. Je dirais que le groupe Chemin Guinéen est un bois caïman à elle toute seule, parce que bah, c'est la réunion de... Voilà, dans le groupe, il y a des Caribéens, c'est-à-dire il y a les Guadeloupéens, Martinique, Haïti. Il y a même plus, je pense, d'Antillais que d'Haïtiens. Il y a même des Africains. Donc voilà, moi j'encourage à ceux qui souhaitent découvrir, apprendre, on va dire, leur identité, leur ADN, leur genèse, je dirais même. Donc voilà. Aïe Bobo, merci pour ces belles paroles de fin, Joaquin. Donc comme vous le savez, il y a une classe virtuelle pour ceux qui désirent apprendre les fondamentaux du vaudou, parce que bien sûr, pour apprendre le vaudou, pour retirer ses peurs, ses craintes, il faut apprendre. Comme on dit, moi je dis souvent, pour Allah, faut qu'on aille là. Donc c'est-à-dire, pour aller là, il faut savoir aller à cet endroit. Et donc moi, je montre aux gens, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas, on va dire, un guide. Je montre la voie et je montre aux gens comment se reconnecter à eux-mêmes, comment découvrir leur propre vérité et comment... créer ce lien entre eux et les divinités, eux et les ancêtres. Parce qu'en fait, c'est eux qui nous guident. C'est eux qui nous guident vers la lumière. Moi, je leur donne juste le mode d'emploi et je leur montre, je leur explique comment appliquer ce mode d'emploi, tout simplement. Donc, pour ceux qui sont réellement intéressés, et bien sûr, il faut du sérieux parce qu'il ne vous l'a pas dit, Joaquin. Natacha aussi a un peu goûté à mon fouet invisible. Je suis sévère. Je suis dure. Donc, pour ceux qui sont intéressés... Ceux qui sont intéressés, vous pourrez me joindre au 07 53 90 92 10. 07 53 90 92 10. On se retrouve dans 2 semaines avec un nouveau numéro de Minocan, de nouveaux invités, un nouveau thème. Je vous dis à tous un grand aïe bobo et prenez soin de vous. À bientôt. Minocan, Minocan.